Ça sera pas long, là. Il semblerait... Est-ce que vous entendez le son? Non, Ouais. On n'entend pas, Marianne. OK, ben, attends, tu peux... je vais recommencer juste mon partage d'écran, là. Ça sera pas long. Share, OK. OK. Vous me direz si vous entendez. Oui. Ouais. Pointez du pied arrière. Oui, ça va. Les genoux souples, les bras le long du corps et les pieds à la largeur de vos hanches. Reculez le pied droit, puis poussez les mains vers l'avant. Alternez avec le pied gauche. Maintenez cette séquence avec un rythme soutenu. Inspirez et expirez, puis poussez pour une vingtaine de répétitions les bras devant et les pieds derrière. Exercice 2. Le combo squat et abduction des hanches. Pieds à la largeur de vos hanches, les genoux légèrement fléchis. Exécutez un squat en reculant vos fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Puis, lors de la remontée, soulevez la jambe droite dans un mouvement d'abduction de la hanche. Alternez le squat, puis l'abduction, en passant de la jambe droite à la jambe gauche, entre chaque flexion des genoux. Placez vos bras de chaque côté du corps pour maintenir votre équilibre lors du transfert de poids vous permettant d'exécuter l'abduction. Inspirez à la descente et expirez lors de la remontée. Maintenez le poids du corps dans vos talons et exécutez 12 squats abduction. Exercice 3. Le genou levé et la main opposée. Toujours debout, les pieds à la largeur de vos hanches et les genoux légèrement fléchis. Soulevez le genou droit, puis amenez la main gauche et alternez en soulevant le genou gauche et amenez-y la main droite dans un mouvement de croisée. Expirez bien en rentrant le nombril. Soyez prudent en transférant le poids d'une jambe à l'autre et gardez un rythme soutenu pour une vingtaine de répétitions. Gardez les bras à la hauteur des épaules s'il vous est possible de le faire. Ça vous permettra de travailler également vos épaules. Exercice 4. L'étoile alternée. Debout, les pieds à la largeur de vos hanches, les genoux légèrement fléchis. Ramenez les pieds sous les hanches, puis pointez le pied droit vers l'extérieur en ouvrant les bras, un peu comme une croix. Vous formez ainsi l'étoile, puis vous alternez avec la jambe gauche. Maintenez un rythme soutenu permettant de travailler votre cœur. Allongez les bras, puis ouvrez la jambe dans un mouvement simultané. Inspirez, puis expirez. On exécute ainsi une vingtaine de répétitions. Exercice 5. La rotation des bras. Debout, pieds à la largeur de vos hanches, genoux légèrement fléchis, tendez les bras de chaque côté du corps à la hauteur de vos épaules, légèrement en angle vers l'avant. Faites 6 rotations complètes de vos bras vers l'avant, en maintenant les épaules loin des oreilles. Puis, 6 rotations vers l'arrière. Relâchez ensuite les bras le long du corps. Nous allons exécuter à nouveau la série des exercices 1 à 5. Êtes-vous prêt? C'est parti.
Pas long, il reste encore quelques petites minutes. On fait le petit dernier. Exercice 6, le Superman. Placez-vous en position 4 pattes okay. sur un tapis, les mains là. Sous les épaules, les genoux sous les... Voilà, donc, Régent. C'est à toi. Jean, c'est à toi. Oh, pardon. Je vais revenir en arrière. Stop. Bien, je vais y arriver. Allô? Souris. OK. Voilà. On est là. OK. Quoi, bonjour à vous tous, ceux qui étaient là il y a deux semaines, puis les nouveaux. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour continuer cette aventure dans le temps, pour expliquer et mieux comprendre qu'est-ce que des points bien importants en ce qui concerne la culture et les traditions, entre autres pour nous, les Abénaki. Et tous ceux et celles qui sont liés de près ou de loin avec nous sur le territoire ancestral non cédé, surtout de la région des Cantons de l'Est et de Sherbrooke. Donc, la première question qu'on se pose, c'est, OK, on parle de culture et tradition. Quelle est la définition de la culture? Au sens large, c'est considéré comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc, j'ai essayé de brosser un tableau, dans le fond, de la situation pour nous, les Abénaki, à Odanak. Et je dis à Odanak, parce que je vis là présentement, mais des Abénaki, je me plais à dire, les sans-mêlés qui vivent partout sur le territoire ancestral, qui couvrent un espace là, d'environ 300 000 par 400 000, comme je disais auparavant. Donc, on est tous interreliés. Un point important pour Odanak, pourquoi que... je vais vous parler brièvement de ce qu'il en est par rapport au point de vue touristique, au point de vue artisanal, parce que c'est souvent ce qui est véhiculé dans les médias, dans les livres. C'est pareil comme si on avait un étampe que tu es sans-mêlé, tu es autochtone, tu es statué, pas statué, qu'importe. On dirait qu'on a une couleur, puis on est pris avec cette image-là. On fabrique tous de l'artisanat, puis mais non, il y a des musiciens, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des hommes d'affaires, il y a plein de monde qui sont rattachés à ça.
En ce qui me concerne, pour parler de, comme on dit, je prends l'expression « parler de ma paroisse », je vais vous parler aujourd'hui de l'Odanak, okay, le sens spirituel dogmatique. Ce qu'on en plaît par dogmatique, c'est en fin de compte un enseignement spirituel qui a été effectué depuis le début du 17e siècle, que vous allez retrouver partout en Amérique du Nord, partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est tous les mêmes enseignements, c'est toutes les mêmes pratiques que vous assistiez à une cérémonie catholique ou qu'importe, partout dans le monde, c'est toujours fait de la même manière. Tandis que, en ce qui concerne les traditions des Premières Nations, ben, tu reçois des instructions et c'est à toi à le développer. Et c'est à toi à mieux le comprendre et le gérer. Donc, depuis plus de 400 ans, nous, les Abénakis, nous sommes des fervents catholiques pour la majorité et une fraction de la population locale, soit approximativement 7% sont des Anglicans, et ce, depuis la période de 1880. Après la tentative d'implanter une autre religion, toujours liée avec le protestantisme, sous l'autorité du monsieur avec une grosse moustache qu'on voyait tantôt, que Marianne nous a montré brièvement. OK, ben attends un peu, je peux te le... Tu le remontes encore? Oui, s'il te plaît. Oui. Ici, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, je vois une madame, pas de moustache. Attends un peu. Non, c'est pas... Lui, il n'y a pas de moustache, non. Parce qu'il faut que je vous partage, faut que je vous partage mon écran, c'est pour ça. Attends un petit peu. Ben continue à parler, là, je m'en viens. OK. Henry Lorne Masta, d'origine allochtone, parce que Masta supposément avait une mère Abénaki, selon les rumeurs, mais n'était pas Abénaki à l'origine. Donc, ses fidèles ont gardé la langue anglaise jusqu'à ce jour, comme langue courante entre eux. À une période, non seulement on avait les Anglicans, ou qu'importe les protestants, ou qu'importe comment on les appelle, il y aurait eu aussi les presbytériens, une tentative d'avoir un lieu de culte presbytérien dans la communauté. Vous voyez la diversité qu'on peut retrouver au Danak. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent du rite de l'eau. Le rite de l'eau, bon, on le retrouve. Je vous donne des exemples de comment c'est perçu aujourd'hui, comment elle est pratique. Le rite de l'eau, qui est à sa source un rite universel, comme pratique au sein de l'Église catholique ou autre, ce qu'on appelle le baptême en tant que tel. Donc, depuis plusieurs années, des aînés de la nation Anishinaabe ou Ojibwe ont pris l'initiative de marcher la région des Grands Lacs pour sensibiliser la population sur l'importance de sauvegarder l'eau qui est sacrée pour tout être humain de la planète. Des aînés du Québec ont été inspirés par ce mouvement pour apporter une plus grande visibilité en faisant ce rite. Comme je vous disais tantôt, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans une communauté autochtone, ce qu'on appelle réserve, c'est important de comprendre d'autres aspects, comme je disais tantôt, autres que l'artisanat, les powwows, le musée. Donc, j'ai voulu, par cet exemple, aller plus profondément dans l'histoire pour bien comprendre la philosophie et les valeurs qui sont attribuées au mode de vie qu'on a encore aujourd'hui. Pour nous, les Abénakis, en ce qui concerne un vieux rite de mon enfance, parce qu'on parle de l'eau, puis on est encore dans la... Quand on parle de Pâques, quand j'étais, quoi, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, on se levait On était debout au lever du soleil ou à la première lueur du jour.
Puis, on se rendait à un endroit qu'on appelle la commune. Donc, c'était un boisé qui se trouve à proximité de la rivière. Et pour... Est-ce que vous voyez à l'écran? Là, on voit seulement des textes. OK, attendez un petit peu. je vous présentais les images pour ça. OK, j'arrive. Voilà. OK. C'est la... Si vous venez au Danac, vous êtes déjà venu au Danac, cet endroit-là, il y a comme un genre de sentier où on trouve, on voit les pierres aujourd'hui. Et puis, vous montez en haut de la colline, ce qu'on appelle la côte des Hirondelles, et vous marchez environ sur un demi-kilomètre pour se rendre à l'endroit qu'on appelle la source à Audasquin, qui se trouve près du centre de la commune, sur le bord de la rivière Saint-François. Malheureusement, cette pratique qu'on peut considérer comme traditionnelle n'existe plus aujourd'hui. L'endroit où se trouve la source n'est plus accessible ou est tout simplement recouverte de végétation depuis. Mmh. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y avait un autre endroit situé entre le couvent des Sœurs et la chapelle où se trouvait cet autre puits où... À mon avis, pour accommoder les personnes qui ne pouvaient pas se rendre au boisé. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est les Abénaki, OK, c'est des Autochtones, sont statués, on vit en réserve, etc., etc. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, depuis 400 ans que les Abénaki vivent en communauté, mais entourés de Québécois, Québécoises, d'Irlandais, d'Écossais, d'Allemands, d'Italiens. On peut sortir la plupart des nations dans le monde. Donc, malgré tout ça, l'essence principale, est-ce qu'on peut passer à la troisième photo, Marianne, oui, s'il te plaît? Non, il décide de ne pas vouloir répondre à ce ballon. Je vais changer la diapositive. Il est ici. Autrement, on va t'appeler Fatima. Ça ne sera pas long. Je vous partage ça. Je ne comprends pas moi, le truc. Il faudra que j'ai le... Oui. Hey! OK. Tu parlais à la chapelle? Oui, oui, c'est ça. Oui, okay. Je m'excuse, là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partir de la page. Où est-ce que... Voilà. Fatima. Est-ce que tu la vois? Non. Oh! Voyons. Je vais recommencer. Là. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, entre l'Église catholique et le, qu'on va voir plus tard, et le couvent des Sœurs Grises d'Ottawa, la congrégation des Sœurs Grises d'Ottawa, où se trouve présentement le musée. Donc, cette petite chapelle-là a été construite parce que les Abénaki a allé jusqu'à... Oh, comme je disais, la question du rosaire, ça s'est pratiqué pendant des années et des années. Je pense que ça fait environ comme 15 ans que ça ne se fait plus. On se rassemblait dans la sacristie d'église catholique et puis on disait le chapelet. On avait du monde de Danac, on avait du monde de l'extérieur. Puis je pense que c'était un des derniers endroits au Québec où le rosaire se disait toujours. Et pourquoi Notre-Dame de Fatima? Ben, c'était, en fin de compte, celle à laquelle les aînés aimaient prier, qui est à l'intérieur de la petite chapelle. Vous pouvez même y voir des écrits, des témoignages que la Vierge avait exaucé leur prière. Ceux et celles qui étaient fervents à cette pratique, comme je disais, sont tous maintenant décédés et pour différentes raisons, n'est plus pratiquée. Maintenant, rendu au 21e siècle,
Certains des aînés de la communauté, accompagnés de leurs enfants, se rendent toujours à, comme beaucoup de monde connaissent l'endroit, Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières, ainsi qu'à Québec, à Saint-Angle, pour prier la Sainte Vierge. Donc, en ce qui concerne la pratique du sacré, et tout comme toute autre petite communauté au Québec. Donc, dans le fond, c'est ça que j'essaie de dire, que oui, on vit dans une communauté, dans une réserve. Souvent, on va le prendre plus péjoratif que d'autres choses, mais il y a des bonnes raisons qui sont rattachées à ça, qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Donc, en ce qui concerne... Oui? Réjean, excuse-moi, Michel, il a levé la main. Est-ce que tu as une question pour Réjean? Et tu parles de moi? Oui, bien, tu as levé ta main. Non, c'est juste ma côté du visage. Ah, non, mais c'est parce qu'il y a une petite main jaune en haut. C'est pour ça que je pensais que tu voulais parler. Ah, non. OK, bien, c'est correct. C'est bon, Réjean, tu peux continuer. OK. Donc, le monde, comment je pourrais dire ça? Dans le fond, c'est tous ces gestes-là, puis je vous remercie encore de tout cœur, la communauté Kidney de Sherbrooke, que je partage ces choses avec vous, parce que on entend encore parler d'avoir des commentaires comme est-ce qu'on peut passer dans réserve? Est-ce qu'on peut aller demeurer dans réserve? C'est pareil comme on ne garoche pas de garnottes à personne. Le monde, c'est plate parce que le monde craint de venir dans la communauté. Puis, c'est vraiment pas la philosophie puis les valeurs qui, entre autres, m'ont été transmises par mes parents, etc., etc. Donc, la seule unique différence entre la ville de Sherbrooke, où vous vivez présentement, c'est que, comme je disais, Odanak, c'est une réserve indienne sous l'appellation du numéro 12 au registre fédéral. À Odanak, il y a deux établissements, deux édifices. Donc, la photo 4, chère Marianne. Oui. C'est tout un ajustement, fais ça à distance. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je place toutes mes photos pour les montrer, puis elles sont pas longues. On dirait qu'il faut que je recommence à chaque fois. Pourtant, c'est pas grave. Attends un petit peu. J'ai quelqu'un qui se rajoute. Fait que la photo 2, 3, celle-là. Avec l'église anglicane? Oui. OK. Ce sera pas long. Je vous repartage. Bingo. Ça y va par là. Non, ça, c'est c'est marqué anglicane. Je me suis trompé. C'est l'église catholique. Vous voyez, quand on change nos verres là, de loin, quand c'est en petit, c'est pas grave. Donc, la partie... Ça, c'est l'église anglicane. C'est ça. Bruce est à l'envers. OK. On l'écrit à l'envers, c'est pas grave. Donc, l'église anglicane, ça a été construit au 18e siècle. Bien, plus précisément, je pense que c'est 1840. Et puis, au 1880, et puis ça n'a pas changé Si on parle de structure, si vous allez à l'intérieur, ça n'a pas changé. Donc, à Odanak, c'est ça la particularité, c'est qu'on a deux endroits de culte qui, bien souvent, dans la majorité des communautés autochtones, vont avoir seulement un endroit. Donc, socialement parlant, mes amis, bien, anciennement, on disait dans le bas du village, ça parle en anglais, puis dans le haut du village, ça parle en français. Puis encore aujourd'hui, il y a une partie qui est encore... ceux qui parlent anglais vivent vers le côté nord, un petit peu plus au nord de la communauté. La première maison de culte catholique, en fin de compte, qui a une plus grande superficie que celle d'église anglicane, pour la prochaine photo, Marianne. Ah, c'est l'autre d'avant, hein? Oui. Un peu... Vous voyez toujours? Ah, OK, oui. OK, parfait. Une plus grande superficie que l'autre église, qui peut accueillir une centaine de fidèles, fut à l'époque une petite chapelle fabriquée en bois, située plus au nord-est de l'église actuelle en pierre, qui fut détruite par la proie des flammes
tout comme l'église actuelle depuis un siècle et reconstruite à quelques reprises. Donc, le prêtre en charge est résident de la communauté et détient le titre de missionnaire. Vous voyez, ça fait peut-être, on ne dira pas bizarre, mais ça sort de l'ordinaire que je vous parle de ça aujourd'hui. Puis, je me répète à dire que c'est ce qui fait partie, c'est notre réalité à Odanak. Donc, le prêtre, c'est un missionnaire. Donc, Odanak, ça fait partie d'un groupe de communautés. Odanak, Woolinak, Wendake, Kanesatake, Kanawake, Piakosasne, c'est les 5 principales missions. On parle d'établissement du début, fin 16e, début 17e siècle. Et le missionnaire, le prêtre porte le titre de missionnaire dans la communauté Odanak, même aussitôt qu'il sort des limites de la réserve, là, il est un prêtre comme la majorité comme c'est connu dans le monde religieux. Le prêtre est en charge de sa paroisse environnante. Actuellement, comme on peut voir, là, il y a moins en moins de prêtres, puis de pratiques. L'Église anglicane que je parlais tantôt a toujours gardé son cachet. Donc, mais pour eux autres, le pasteur, c'est un prêtre, ce n'est pas un pasteur. Donc, c'est une personne qui ne vit pas dans la communauté, à comparer avec M. Masta qu'on a vu au tout début de la présentation, qui vit à Montréal, vu le minimum de pratiquants, qui chiffre environ à une douzaine de personnes qui se rassemblent quelques fois par année, soit ou pour des raisons de baptême, de sépulture ou de mariage. Et puis, c'est relativement plus... ça contient environ une quarantaine de personnes. L'autre chose, on va passer au cimetière. C'est pas pour être plus morbide aujourd'hui, c'est juste donner l'exemple. OK. Les communautés anglicanes et catholiques, ça, c'est un cimetière catholique qui donne près de la rivière, qui est pratiquement au centre de la communauté, dont les fidèles, en fin de compte, ça comprend les fidèles catholiques. Puis, il faut comprendre une chose, c'est que un anglican ne se fera pas enterrer dans un cimetière catholique et un catholique à l'inverse, à moins de se convertir pour y être enterré. Donc, c'est la réalité, là, le cimetière anglican, s'il te plaît. Oui. OK. Vous voyez, il y a comme un genre de petite annonce là, qui montre que c'est le périmètre où ceux qui pratiquent la religion anglicane sont enterrés au Danac. C'est plus grand que le cimetière catholique, malgré que la congrégation est plus petite, mais c'est encore vivant au Danac. Donc, je ne sais pas si... moi, à mon avis, c'est la seule communauté que je vois au Québec, la seule mission, où on va retrouver deux endroits de culte et non seulement un, soit... Puis que le monde va parler les deux langues, en fin de compte... le français et l'anglais maintenant, mais à l'époque, français et anglais à Benaki. OK. Après ça, on tombe sur le... En fin de compte, il faut parler du spirituel. Non, c'est correct. C'est OK. Bon. Ancestral. Depuis les années 80, nous pouvons remarquer un retour aux sources. Un retour aux sources premières de la spiritualité des Abénaki, malgré une légère réticence dans la pratique ou même d'introduire certains rites au sein de la communauté. Ce que vous voyez présentement, c'est un monument qui se dit, comme on dit, nous nous rappelons, nous nous souvenons. Ainsi que Plawino, qui veut dire tortue, et Ogawino, qui veut dire l'ours. Ce monument a été érigé dans les années 60 environ,
pour commémorer l'attaque du major Robert Rogers avec les Sea Rangers de New York qui sont venus attaquer le village d'Odanak le 4 octobre 1759, qui correspond aussi avec la même période de l'attaque, la bataille des plaines d'Abraham. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, mes amis, à Odanak, c'est tout ce qui reste du passé? On peut se poser la question. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'effervescence et la fierté dont vous avez l'organisation qui est née de Sherbrooke, souvent, c'est « je vous envie », bien sincère avec vous. Je vous envie, pourquoi? C'est qu'il y a de moins en moins d'intérêt à Odanak. L'individualisme a remporté sur plein de choses, l'appât du gain, comme dans bien d'autres petits villages. Mais la question de se rattacher et de conserver son passé, conserver ses rites, ses légendes, etc., etc., il y a moins d'accent ou d'énergie qui est mis là-dessus. Donc, puis la majorité des... Une des réalités, c'est qu'à Odanak, on est quoi, 300 quelques personnes? Mais sur la liste générale de la communauté, on est 2400. Donc, notre réalité ou la réalité, c'est qu'on a 2000 personnes qui vivent à l'extérieur de la communauté. Souvent, on va se poser la question, comment ça se fait qu'ils ne reviennent pas vivre à Odanak? Pour une simple raison, c'est économiquement parlant, c'est pas rentable. Deux, ils ont vécu l'exode comme plusieurs d'entre vous vers les États-Unis pour trouver du travail et voient que la communauté, les valeurs ont changé beaucoup parce que de tradition, mon père, mon grand-père me disait, parce que je lui ai posé la question moi aussi à une période, je dis comment ça se fait qu'on est 2100 personnes sur la liste générale, puis on est seulement 300-400 ici à Odanak. Et puis, mon grand-père disait, mon père, écoutez, on était nomades toute notre vie, on a voyagé partout, puis Odanak, c'est un endroit où retourner pour prendre sa retraite et y mourir tranquille, puis se commémorer des souvenirs, etc., etc. Donc, vous voyez que le dynamisme, la dynamique de la communauté, c'est difficile à gérer parce qu'à une période, on avait plus de personnes du troisième âge qu'on avait de jeunes ou de jeunes parents parce que c'était en majeure partie du monde à leur retraite. Juste pour vous échanger avec vous un témoignage d'un aîné. On peut garder la même photo, Marianne. Un jour d'automne en 86, je me rends chez un ami d'enfance à mon père. Il se nomme Adrien Panadi, fils de Théophile Panadi et petit-fils de Nicolas Panadi. Tous ont été guides en forêt dans le parc de la Mauricie pendant plusieurs années et ont aussi pratiqué la chasse, la trappe, la pêche sur un territoire situé sur la rive nord du Saint-Laurent et en Haute-Mauricie, sans oublier d'autres familles qui étaient dans la région des Cantons de l'Est, le Mont-Mégantic, aux alentours de Sherbrooke, auprès des lignes entre le Québec, Vermont, New Hampshire, Massachusetts. Donc, j'arrive au domicile de M. Panadi. C'était une journée d'automne, là, vers le 20 septembre, 1er octobre, dans cette semaine-là. Et puis, j'arrive, puis je le vois à travers la porte. Il était assis près de la fenêtre qui donne sur la bâtisse de l'ancien couvent qui est à proximité de chez eux, qui habite aujourd'hui le musée. Puis là, je lui parle. « Bonjour, Adrien, comment ça va? » Blablabla. Puis, il était assis
tout bien tranquille, puis il prenait une petite gorgée de bière. C'est quelqu'un qui a toujours consommé toute sa vie. Donc, de boire du thé, du café, pour lui, c'était de prendre sa bière là, pendant cette journée. Je lui parle directement, j'arrive et je lui offre un paquet de cigarettes du Morier, parce que je savais que c'était le genre de cigarettes qu'il aimait fumer. Imaginez-vous, il ne m'a pas demandé pourquoi. Il a accepté le paquet de cigarettes, puis il l'a déposé doucement sur le bord de la fenêtre. Puis là, je lui ai demandé s'il nous ferait l'honneur de venir nous visiter pendant les 4 jours de commémoration de l'attaque de Roger qu'on voit présentement à l'image, dans la photo. Il demeure sans mots. Il prend une longue pause et me dit « Qu'est-ce qui va se passer ces 4 jours-là? » Parce qu'on se préparait à faire différents rites, prier pour les personnes qui sont tombées sous les armes, etc. Ben, j'ai dit « Il va y avoir des prières, des chants au tambour, des veilles au feu pendant la nuit, ainsi que des loges de sudation ou des saunas ou... Souvent, le monde va dire l'appellation anglaise de sweat lodge. Pour ceux et celles qui désirent vivre un moment spécial pour cette occasion. Mes amis, à ma grande surprise, surtout en venant d'un personnage pratiquement historique de ma communauté, Adrien, tout le monde le connaissait, tout le monde aimait bien Adrien parce que c'était un bon vivant, puis c'était une encyclopédie, tout comme son père. Par rapport à ce qui, quand on parle de tradition puis de la culture Abénaki, ayant lui-même voyagé partout aux États-Unis, au Canada et plus tard dans sa vie en Europe. Il dit, mon père, à propos de la loge de sudation, il dit, tu sais, mon père, il faisait ça dans le bois. Puis moi, à ma grande surprise, c'était comme je le regarde, je dis, quoi? Tu dis que Tophil faisait ça? Il dit, ben oui, il faisait ça dans le bois, mais pour éviter de la chicane avec le curé à son retour au village, ben, il se rendait à la messe comme tout le monde le dimanche pour éviter des frictions avec le clergé. Donc, ce que je veux dire par là, puis c'était dans l'ensemble de la présentation aujourd'hui, de la conférence, c'est que souvent, c'est la personne la moins, comment je pourrais dire ça? C'est la personne qu'on ne penserait pas qu'elle détient ces informations-là, parce qu'Adrien, OK, ses talents, c'est sculpteur, c'était peintre en bâtiment, mais il peignait aussi des scènes, puis c'est grâce à lui, si au musée des Abénaki, au début, à aller jusqu'à environ 15 ans, toutes les fresques, les paysages des rivières, les montagnes, etc., etc., c'était lui qui s'était chargé de peindre ces fresques-là dans le musée. De dire que Adrien peut me parler de cérémonie. Moi, comme je peux, je suis tellement surpris, c'est comme, ben, moi, je pensais que c'était fini, là, qu'on Haudenac, ça n'existe pas, puis c'est mort, ça fait des années, parce que pour X raison. Mais non, c'est toujours vivant. Et à partir de 87, ben, on a continué à pratiquer ce que nos ancêtres font. Donc, Adrien, pour vous nommer, pour vous donner une anecdote qui... C'est tellement important pour moi de le partager avec vous. Adrien a grandi avec mon père, Albert Owensawin. Adrien a perdu sa mère en jeune âge. Donc, a vécu beaucoup de peine par rapport à ça. Puis, il n'y avait pas nécessairement un père qui était bien mère poule, comme on dit. Ton fils, c'était une personne qui était dure puis qui était très rigide dans les valeurs de la vie, les traditions, etc., etc. Puis, c'était un guide. Donc, qui a travaillé, on va le dire, comme esclave pour les touristes américains qui venaient dans le parc de la Mauricie. Donc,
ces personnages-là portaient des canots qui étaient pesants, souvent qui étaient, le canevas était trempé, les paquetons, la nourriture, tout le matériel pour être capable de faire à manger pour ces personnes-là. Puis, ça se tapait une journée de canot pour se rendre aux endroits, au campement, et revenir le lendemain, etc., etc. Donc, Adrien et mon père se sont liés d'amitié. Non seulement que leur grand-mère était les deux sœurs, mais ils s'entendaient bien ensemble. Puis c'était drôle parce qu'il y avait plein d'anecdotes. Quand les deux vivaient, souvent ils se rassemblaient chez mon père. Puis ça arrivait souvent quand j'étais plus jeune, que j'étais à la maison naturellement. Puis Adrien et Pace contaient des histoires. Puis ils disaient, c'est pareil que moi, si je dirais à Patrick, « Hey Patrick, te rappelles-tu quand on parlait du Moulin Rouge quand on était jeune, hein? Ben, un jour, on va y aller au Moulin Rouge à Paris. » Ben, mes amis, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, Albert et Adrien se sont rendus à Paris au Moulin Rouge pour une question de circonstance, d'aller parler de la culture abénaki. Mon père faisait le même, ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui, faisait les présentations, parlait de légendes, parlait d'histoire, de mise en situation. Puis Adrien, ben lui, il sculptait des mâts totémiques et portait un costume traditionnel comme mon père. Donc, vous voyez que la diversité à Odanak, ça fait partie de notre réalité. Maintenant, on se pose une question. Quelle est la différence entre la culture et la tradition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre là-dessus? C'est un exercice bien amical pour le plaisir d'échanger. Parce que je ne veux surtout pas que vous vous accotez et vous tombez endormi là, si c'est trop long, si je fais ça trop magistral. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à ça? La différence entre la culture et tradition. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ah, oh, Patrick? OK. Allô? Là, oui, bonjour Patrick. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Ben, attends un petit peu, là, je vais arrêter mon écho. Bon, alors, la culture, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est ce qui définit un peuple dans le moment d'aujourd'hui. Mais quand on parle de tradition, ben, c'est plus ce que les ancêtres faisaient, ce que les ancêtres nous ont appris, qu'est-ce qu'on a gardé d'eux, comme les rituels de purification, les prières, les chants. Moi, c'est comme ça que je vois la différence, en tout cas. Ah, c'est une belle. Merci, Patrick. Plaisir. C'est quand on comprend bien la source, quand on comprend bien qu'est-ce que c'est, parce que on voit que ce qui a été transmis par nos parents, nos grands-parents, ben, c'est des valeurs, c'est des pensées, c'est des gestes, c'est des. On va vous donner un exemple qui va avec ce que Patrick disait. Puis pas, surtout pas de généraliser par rapport à ça, c'est que certaines personnes ou les historiens se sont plaits à dire « Oui, les Abénaki, ils cultivaient le maïs, etc. etc. » Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'avais environ 10-12 ans, il y avait, dans la communauté, mes amis, il y avait 3 jardins. C'était des jardins privés de famille. Donc, jardins de peut-être 60 pieds de large par 80 pieds de long, ou d'autres plus petits. Mais j'ai plus ou moins vu de maïs pousser dans ces champs-là. Il y avait des pommes de terre, des carottes, des choux-fleurs, en fin de compte, des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais notre réalité à Odanak, c'est que plein de producteurs de produits maraîchers aux alentours qui s'occupent de faire pousser ça. Puis, souvent, il y avait des aînés de ces petits villages-là environnants
m'a dit, comme on dit, ils passaient en bicycle à pédale avec leur panier, puis leur sac en jute, puis il y avait des pommes de terre, il y avait des carottes, il y avait. Puis ils faisaient du pop. Bon, ben merci bien. Hé, hey, Colin, c'est compliqué. Venaient, à la prochaine. Ils venaient vendre leurs produits dans la communauté. Mais c'est juste pour vous dire que les Abénaki n'ont pas grandi à avoir des festivals du maïs, festivals de ci, festivals de ça. Après 400 ans, mes amis, il y a des choses qui ont été remplacées. Il y a des choses qui sont... La nation Abénaki, les Abénaki se sont adaptés. L'idée de transmettre une culture, une religion, une tradition est souvent comprise dans une opération de reproduction à l'identité de ce que l'on a à soi-même reçu de ses parents, comme en l'occurrence, comme Patrick nous disait tantôt, grands-parents et arrière-grands-parents. Que ce soit du côté, ce qui est important, je tiens à le dire, c'est que ce soit du côté paternel ou maternel, mes amis, car il est impératif de toujours trouver un équilibre entre les deux. Source importante d'information, on va dire génétique, soit de l'homme et de la femme, sans faire de distinction marquée entre les deux. La seule chose est que dans le passé, certains enseignements étaient pour un et l'autre pour l'autre. Donc, des fois, quand on fait la cueillette d'informations auprès de nos aînés, on va parler avec une grand-maman, on va parler avec un grand-papa. Ce que la grand-maman va dire, souvent le grand-père ne le sait pas parce que les femmes avaient des tâches qui étaient spécifiques à leur rôle en tant que mère, grand-mère, etc. Puis les hommes, c'était pareil. Mais il y avait une complicité toujours de respecter le rôle de l'un et de l'autre. Puis ça apportait un équilibre dans la cellule familiale qui était impératif. Donc, rendu au 21e siècle, plusieurs de ces valeurs, malheureusement, ont été oubliées pour plusieurs raisons. L'apprentissage débutait très tôt pour nous, quand nous étions âgés de 5 et 12 ans, car aussitôt qu'il y avait un nombre suffisant d'apprentis danseurs, parce que là, on parle de culture, on parle de tradition, qu'on nous montrait les danses qui étaient typiques à nous, les Abénaki. Les filles et les garçons débutaient la première pratique de danse que nos parents ont appris d'un aîné. Ben, la source, c'était M. Théophile Panazzi, de la génération de mon père. Donc, mon père, il est né en 1920, il est décédé en 2009. Donc, les années 35-40, ben, c'était M. Théophile Panazzi qui s'occupait des danseurs en tant que tels. Parce que à cette période-là, mes amis, étant donné que l'Académie Saint-Joseph à Odanak était en marche, souvent, les députés, les maires aux alentours, les organisations, les filles d'Isabelle, les chevaliers de Colomb, etc., etc., ben, étaient invités dans la communauté pour venir voir des danses et des chants à Abénaki, qui étaient souvent considéré comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis le monde, c'était plus par... curiosité, qui venait voir les petits Indiens et les petits Indiennes danser. Que moi, de mon côté, ben, je ne pouvais pas aller à Pierreville pour voir les petits gars et les petites filles giguer. Parce que ça n'existait pas à Pierreville, en tout cas, entre autres. Mais par contre, aujourd'hui, si je savais ce que je sais, que mon épouse maintenant, que mon beau-père était et jouait du violon, puis que le monde giguait à Saint-David, puis il jouait de l'accordéon, bien, j'aurais pu me rendre là et apprécier cette autre couleur de notre culture. Donc, le monde venait là, il y avait des pièces de théâtre, il y avait toutes sortes de choses. Et par Théophile Panazzi, la génération de mon père, tandis que moi, ma génération, c'est 62-68, c'était Thérèse Obomsawin, qui est une bénévole connue
dans la région par rapport à d'aimer à toujours aider son voisin et participer à plein de choses, et surtout d'organiser des voyages à Saint-Anne-de-Beaupré, à Notre-Dame, au Cap-de-Madeleine. Donc, Thérèse demande à Théophile Panadi pour prendre la relève, parce qu'à cette période-là, mes amis, n'oublions pas, même dans les années 50-60, les danses dans le public, comme c'était pour nos grands-parents, souvent, le clergé n'aimait pas trop ça quand le monde dansait. Donc, elle demande à l'aîné, à Théophile, si elle peut prendre la relève. Théophile accepte. Puis de savoir danser traditionnel, c'est important, mes amis. Et si un jour j'ai la chance de vous le montrer, ça va être un honneur pour moi parce que ça vous appartient. Puis ça appartient à toutes ceux et celles qui veulent mieux comprendre, mieux vivre de quand on danse de cette manière-là. Cette manière de danser était autrefois la même, par exemple, que les Mi'kmaq, que les Mi'kmaq sur la côte Est, les Malécites. Un jour, j'ai discuté avec un aîné des Maritimes à ce sujet. Puis je demande à l'aîné, j'ai dit, vous ne dansez pas de même ici? Bien, il dit, maintenant, il y a une effervescence de danse de d'autres nations à travers le Canada. Mais, tu sais, Régent, de la manière que tu danses, bien, les vieux anciennement dansaient de même. Puis là, je pars à rire, je dis, que si je tiens vieux, tu sais, j'avais peut-être quoi, 50 ans, 40 ans. Non, 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 il dit pas ça, je veux dire. Mais il dit, mes grands-parents dansaient de même. Puis, de la manière qu'on danse, je ne vais pas donner l'exemple de Michael Jackson, là, mais c'est. On avance, c'est-à-dire on marche normalement, puis à chaque fois qu'on dépose le pied par terre, bien, on glisse vers l'arrière un petit peu. Mais le pied ne dépasse jamais l'autre pied. Donc, c'est une danse qui est très simple, qui est solennelle. Puis, c'est typique aux Abénakis. Maintenant, on apprend plusieurs danses de l'Ouest, le two-step qu'on appelle, là, c'est comme le qui va avec le tempo du double beat au lieu d'un beat régulier. Au sujet des danses, ben, on a 8 danses principales. On n'a pas 15, on n'a pas 20. Il ne faut surtout pas que ceux et celles qui enseignent ces danses-là ou de ne pas dire, ben, monsieur, madame, on n'a que 8 et pas dire 20 quand ce n'est pas vrai qu'on en a 20. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire, ben, comment ça se fait que ton grand-père me disait qu'il en avait 8 puis toi, tu dis qu'il en a 20. T'sais. Donc, les danses principales, la couleuvre, qui est très simple, c'est que le monde se tienne par la main, un face à l'intérieur, l'autre face à l'extérieur. Puis, tu as comme celui qui prend la position à la tête de la couleuvre qui va zigzaguer, en fin de compte, sur la terre pour imiter le mouvement de la couleuvre. Et comment je pourrais dire ça, la personne principale qui joue le tambour est à l'écart. Après ça, on a l'amitié. Mais l'amitié, mes chers amis, c'est que ça se fait, toutes ces danses-là en couple, ça prend un nombre X de danseurs. Ça prend 13 danseurs, 12 danseurs et un musicien. Longtemps, longtemps après toutes ces années-là d'avoir dansé à Odanak pendant toute ma vie, ben, j'ai réalisé que cette danse-là n'était pas une danse. C'est-à-dire le nombre, ça ne signifie pas un nombre pratique. C'est 13 dans le fond. C'est qu'on a 12 danseurs, deux des hommes et des femmes, 6 de chaque côté, puis le joueur de tambour. Mais mes amis, 13! Si un jour vous avez la chance de voir une carapace de tortue, comptez les écailles sur son dos et vous allez en retrouver 13. Pourquoi? Parce que dans les 13 écailles, ça représente les 13 cycles de 28 jours de nos, des mères, de ceux qui portent
qui portait ou qui porte nos enfants. Donc, c'est les 13 mois de l'année. Donc, on n'a pas de calendrier aztèque complexisé, etc., etc. C'est très, très simple. Donc, c'est le pourquoi que les danses, une des difficultés, c'était toujours de s'assurer d'avoir 12 danseurs et une personne qui jouait du tambour. La danse d'amitié, si je vous décris ça brièvement, c'est que les couples rentrent, le joueur de tambour se place à un endroit stratégique, face à l'est, et les couples rentrent à l'intérieur du cercle de la salle et font un cercle complet, se placent face à face et se reculent chacun de leur côté. Le premier couple va partir, il va prendre la main de sa conjointe et il va danser, aller vers l'avant, faire ça deux fois. Il va passer entre les autres couples et retourner à l'endroit l'endroit précédent. À quoi que ça vous ressemble? Que ça ressemble ça? Bien, ça ressemble à un set carré. On voit l'influence. La seule différence, c'est qu'à la place de jouer du violon, bien, le monde, ça jouait du tambour. Par la suite, bien, c'est la danse de la guerre, naturellement. On a vécu des guerres. Hey, si on ne serait pas battu côte à côte contre l'invasion des Anglais, premièrement, on ne parlerait qu'en anglais aujourd'hui. Puis deuxièmement, ben, on aurait perdu notre langue puis toute la culture. Donc, la danse de la guerre, ben ça, tout le monde est placé en cercle. Et les deux, comment je pourrais dire ça, les deux danseurs principaux, un rentre et c'est le mimique de, il voyage, il passe à travers son territoire. Puis à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a un étranger qui empiète sur le territoire ancestral. Donc, par la suite, il y a une confrontation entre les deux danseurs et ça se termine qu'un des danseurs se fait tuer. Là. Je veux dire, il y a comme s'il tombait mort, puis il sort le corps de la scène. Il y a celle du couteau, qui est une danse, dans le fond, quasiment comme en l'honneur du couteau, parce que l'arrivée du glacier, ça a été important dans les communautés par son utilité, etc. Et même que le matériel en tant que tel, quand je regardais celui qui dansait, c'était seulement les hommes qui faisaient cette danse-là. Il dansait avec le couteau, puis c'était comme s'il craignait le pouvoir du couteau. Mais un arme, quand on y pense, mes amis, ça peut servir à des bonnes choses, mais ça peut faire des blessures, ça peut tuer. Donc, ça, en fin de compte, au sens figuratif, la personne mimait ce qui se passait. Là, on tombe dans une danse plus joyeuse, la danse du mariage. Toujours les couples entrent à l'intérieur du périmètre et se placent de gauche à droite. Mais là, mes amis, c'est prédisposé qu'on sait qui va marier qui. Donc, un exemple, si je peux prendre Marianne et André comme exemple, si c'est possible. Donc, Marianne est du côté des femmes et André, le futur conjoint, se trouve du côté des hommes. Donc, Marianne regarde tous les futurs maris qu'elle pourrait la possibilité de marier. Et son regard s'arrête à André. Mais André ne peut pas montrer qu'il va se marier avec elle. Avant, préalablement, il faut qu'il montre sa bravoure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est musclé, qu'il y a quelqu'un qui est capable de tirer de l'arc, quelqu'un qui est capable de défendre sa famille, etc., etc. Donc, c'est une danse qui est un petit peu loufoque parce que tout le monde rit, parce qu'il faut que tu actes de cette façon-là devant l'assistance, les danseurs et les danseuses, mais devant les spectateurs. Puis essayer de convaincre Marianne que c'est toi qui veux que tu maries. Donc, il fait ces choses-là, il me demande différentes choses, il les exécute, puis à un moment donné, c'est comme
elle se retrouve avec le conseil de femme, puis là, ben, je ne sais pas, peut-être, en fin de compte, tu joues un rôle comme si c'était... Mais ben là, il faudrait que je me fasse une idée, blablabla. Donc, finalement, André arrive avec un long collier qui est environ, peut-être, 2 mètres, et le place alentour du cou de sa future épouse et du chien. Lui tient la main, puis là, il part à danser entre les couples pour montrer que finalement, ben, c'est la femme qui l'a choisi, puis c'est lui qui a choisi cette épouse-là. Au son du tambour, naturellement, et des applaudissements, puis tout le monde est content. Donc, vous voyez, c'est une danse qui était très, très, au sens figuratif, importante. Par la suite, la danse du char, c'est ce qu'on appelait aussi la danse de la couverte. C'est que les femmes, les hommes sont assis par terre et les femmes rentrent à l'intérieur avec un châle sur les épaules et vont montrer leur agilité à faire tourner le châle autour d'elles et montrer qu'elles maîtrisent cet objet-là. L'autre, qui est très, très important, c'est la danse du totem. Donc, comme vous le savez, ce qui est perpétué dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, les totems. Okay. Sur la côte ouest, l'origine du totem, c'est la côte ouest qui est à son origine de sculpter un arbre pour y représenter les clans, etc., etc. Mais pour nous autres, les Abénakis, le totem, c'est le sturgeon. Pardon. Qui est, en fin de compte, le symbole de la communauté. Donc, dans cette danse-là, ils ont imagé cette danse-là avec les danseurs qui représentent différentes parties. Donc, à Odanak, on retrouve le clan de la tortue. Donc, il y a quelqu'un qui va porter un étendard avec une tortue. Un autre va avoir l'étendard d'un ours. Donc, ces danseurs-là dansent partout sur l'estrade et se retrouvent au centre et se placent dans l'ordre. Le danseur principal, qui est l'aigle, qui représente celui qui apporte les prières au Créateur, va rester debout et les autres se placent devant lui de l'un à l'autre pour que la tortue soit en bas. Donc, ça représente cette danse-là. La dernière danse, mes amis, qui s'appelle la danse du sorcier, qui ne se danse plus depuis... La dernière fois que j'ai eu la chance de voir cette danse-là, c'était en 71 en Bretagne. C'était feu M. Maurice Gill qui a exécuté cette danse-là. Dans cette danse-là, bien, naturellement, les couples sont placés en cercle. Puis, dans un coin, on retrouve un wigwam, une tente. Le danseur arrive, rentre dans la tente. Et le but de cette danse-là, c'est de montrer comment ce sorcier-là peut est en lien direct avec les éléments, dont le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs. Donc, dans cette partie-là, où on était en Bretagne, ben, ça prenait de l'éclairage qui représentait les éclairs. Et ben, on entendait le tonnerre dans le système de son, au haut-parleur. Puis, Maurice brassait la tente de gauche à droite. Puis, il faisait toutes sortes de sons. Puis c'était vraiment loufoque, mais vous auriez dû voir les yeux du monde qui regardaient cette danse-là, parce que ça donnait l'impression qu'il était vraiment possédé. Et puis pourtant, ce n'était pas ça du tout. C'est juste pour vous dire que c'était la danse du sorcier qui est une cérémonie où ce que les aînés, que le monde allait aux guérisseurs pour recevoir des guérisons, pour être capable de... Un exemple, j'aimerais savoir ce qui arrive de mon père, parce que mon père est parti sur la ligne de trappe en Haute-Mauricie, puis je ne sais pas si ça va bien ou non. Bien, on se rendait à la personne qui est le sorcier, puis il entrait à l'intérieur de la tente, puis il demandait aux ancêtres, il demandait aux esprits,
qu'est-ce qui se passe avec le père d'un tel? Donc, il disait, bien, il y a eu telle chose, il est correct ou il va revenir bientôt. Donc, vous voyez, on voit que dans 400 ans, il y a eu des changements, il y a eu des améliorations, il y a eu des choses qui ont été laissées de côté. La réalité, mes amis, pour plusieurs personnes Abénaki, c'est que ces danses sont devenues comme du folklore du passé. C'est triste, oui, je vous l'avoue. Mais chacun choisit son futur, choisit sa destinée, choisit ce qu'il est ou ce qu'il pense qu'il est le mieux. Et même oublier une philosophie typique de nos parents. Puis je suis heureux de constater que vous tous à l'écran, je vous vois le visage, je vous vois sourire, je vous vois, vous êtes sérieux, etc., etc. Je vois encore de ces étincelles-là, de cette belle philosophie de conserver ce qui vous appartient. De conserver puis de perpétuer ces enseignements-là. Monsieur Fontaine, on le regarde, puis c'est la... Je ne lancerai pas de fleurs, là, mais c'est la bonté même, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Dans le fond, on dirait que je retrouve un petit peu de mon grand-père Joe dans Michel, parce que c'est... Monsieur Fontaine prône le rassemblement, prône l'équité, prône... C'est ça qui devrait être à Odanak, mais c'est plus de même pour autant depuis plusieurs années, malheureusement. La technologie a fait que ça a changé, la pas du gain. Puis souvent, au niveau de l'organisation, pour parler brièvement de la politique, c'est que les personnes qui n'ont pas eu la chance de grandir dans la région, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier que même si on vit au Danak, même si vous vivez à Sherbrooke, à Drummondville, à Windsor, qu'importe, on a une manière de penser qui est typique à notre région. Puis, ça fait partie de ça, ces valeurs-là que M. Fontaine et le groupe avec lequel vous travaillez, que vous faites partie de l'organisation, on vit ces mêmes valeurs-là. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont vécu dans la région d'Ottawa, qui ont vécu dans le centre-ville de Montréal, c'est ceux qui vont amener des valeurs plus municipales, plus, qui n'est pas nécessairement liées aux valeurs des rurales, c'est ça que je veux dire. Donc, les changements qu'il y a eu au Danak, ça s'est fait depuis 15-20 ans. Je parlais justement ce matin avec un ami d'enfance, puis Guy me disait, on disait, ça a tellement changé, c'est quasiment... Des fois, on se demande si on ne vit pas sur une autre planète. Donc, notre rôle, c'est de continuer à faire revivre ça. Donc, il faut garder en mémoire un exemple que la fabrication d'objets artisanaux pour ceux qui étaient à Odanak et sûrement pour certains d'entre vous qui vivez dans les cantons de l'Est, ça a servi à nourrir vos familles pendant les périodes difficiles. Première crise économique, Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que les préjugés, ça existait et ça existe encore. Tout ce qui était rattaché à ça, c'était pas facile pour nos grands-parents puis nos arrière-grands-parents, nos parents. Donc, à Odanak, l'inauguration de la première fête de la famille Abénaki, vous remarquez que ça ne s'appelait pas Power, ça s'appelait la fête de la famille, des familles Abénaki, dans le fond. Ceux qui se trouvaient à... On avait du monde qui était à... Comment je peux dire ça? À quelle place? À Durham. Il y en avait qui vivaient à l'avenir sur des territoires qui étaient aux Abénaki suite à leur participation à la guerre de 1812 contre les Américains qui voulaient envahir le Québec, le Canada, on leur a octroyé aux officiers, aux autres militaires, des lopins de terre. Donc, et ceux qui vivent hors de la communauté.
Mes amis, on a sur 2400, on a 2000 ailleurs. Donc, on a beaucoup de monde dans le Vermont, New Hampshire, Massachusetts, dans le Maine. On a en Californie, on a partout. New York. Et puis, la fête du 1er juillet, c'était l'occasion de tout voir ce beau monde-là pendant une fin de semaine. A eu lieu aussi l'inauguration du drapeau qui a une tête indienne au début, dans le centre, pardon. Puis vous retrouvez l'ours, l'aigle, la feuille d'érable. L'aigle, c'était qui représentait les États-Unis. La feuille d'érable, c'est ce qui représente le Canada. L'ours, c'est la tortue qui représente les deux clans de la communauté. Donc, vous voyez, c'est différent de ce qui vous a peut-être été expliqué auparavant, que ce n'est pas l'aigle qui est ici, puis que l'ours, c'est ça, puis la tortue. Ce n'est pas la raison, à l'époque, de créer ce drapeau-là. Et puis, cette grande rencontre est rapidement devenue une attraction touristique importante au centre du Québec. Je me rappelle, dans les années, les dernières fois que j'ai eu la chance de danser, où moi, j'étais quelqu'un qui était avant-gardiste un petit peu. On avait des danses, etc. Puis quand il y avait des moments de libre, ben, j'allais chercher ma guitare acoustique. Je me rendais sur l'estrade, puis j'allais chanter, vous allez rire, des chansons de Bob Dylan, de Gordon Lightfoot, de Buffy Sainte-Marie, à guitare. Donc, c'était ma manière de m'habituer à travailler en groupe. Mais on parle de foule d'environ 8000 personnes dans les années 70 à Odanak. Mais il y avait plus ou moins de festivals dans le coin, des festivals alentours. C'était surtout des fêtes foraines où les agriculteurs se rendaient, puis il y avait Trois-Rivières, il y avait Sorel, Saint-Hyacinthe, pour ceux que je connais. Donc, la fête, c'était une raison pour contribuer à l'essor économique des Abénakis. Toute cette belle population-là québécoise de différentes origines venait à Odanak, il y avait une parade. La route 132 était bloquée pendant une heure parce que la parade passait dans le village de Pierreville, le petit village à côté. Et tout ce beau monde-là se rendait à l'estrade qui était près de la rivière, en bas du presbytère. Donc, là, on venait acheter de l'artisanat, pouvait même participer à des danses, etc., etc. Mais tout a bien changé, et ce, comme on peut voir partout au Québec, car la technologie a eu un impact sur les pratiques, les valeurs de la population, autant abénaki que québécoise. Est-ce que, mes amis, la modernité a fait place au passé? Sans réaliser que ce qui les démarque en tant qu'Abénaki, en tant que Sans-Mêlé, fait partie d'un tout, mes amis, avec les chants, les danses, et même notre hymne national. L'hymne national, mes amis, je ne parle pas couramment Abénaki, puis je ne me vante pas de le parler non plus. Je connais, comme plusieurs de mes confrères, quelques mots, quelques phrases, surtout pour prier. Ben, l'hymne national abénaki, ça rend grâce à Jésus, ça parle de l'Église. Ça, vous voyez, ça n'a pas nécessairement une connotation indienne d'Hollywood, comme bien souvent le monde va penser. Mais les abénakis, c'est des bons catholiques. C'est pour ça que, dans le fond, l'influence qu'on a aujourd'hui de personnes qui viennent vivre ici, ce n'est pas nécessairement du monde qui sont des pratiquants de la religion catholique. C'est du monde qui, souvent, qui ne pratique rien, mais ça, c'est l'argent qui parle. Anyway. Donc, on confronte ces valeurs-là tout le temps. Je l'ai chanté l'autre fois lors de la rencontre qu'on a eue à Saint-Camille. Puis, si vous voulez, tantôt, je pourrais peut-être vous la chanter, si vous voulez bien. Puis, ce qu'il y a là-dedans, mes amis, là, c'est
je vous demande, quand ça va se passer, le moment, de penser à tout ce qu'on discute, de tout ce qu'on parle, de tout ce qui nous touche de près ou de loin. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui nous ont quittés, que pour eux autres, c'est ils te croisaient sur la route, ils te croisaient dans le bois, ils te croisaient sur le bord de la rivière. Ben, tu avais une tête, deux bras, deux jambes. Puis si tu avais faim, ben, on te donnait de quoi manger. Ou tu donnais de l'aide à quelqu'un d'autre. Tu prêtais tes outils. Tu donnais un livre à un gars ou à une femme qui là, tu connais, qui n'a pas d'auto. Il y avait beaucoup le sens du partage. Puis c'est ce que je vous félicite, puis je vous salue votre organisation parce que je vois que c'est ces valeurs-là qui est pratiquée entre vous et qui est pratiquée avec moi présentement parce qu'on fait partie d'un tout. En conclusion, il est très facile de changer le cours de l'histoire. Les traditions, qui aura un impact direct sur la culture propre à votre peuple, sans avoir un retour aux sources et prendre un recul pour pouvoir ainsi apprécier ce que l'on a et certainement plus apprécier que celui de d'autres groupes ou personnes. Donc, excuse-moi Michel si je te donne comme exemple, moi je vois Michel comme il est là. Si la semaine prochaine je le vois et il parle comme quelqu'un d'autre d'ailleurs, moi, je dis, il me semble, il y a de quoi qui cloche. Il me semble, ce n'est pas sa personnalité. Il y a de quoi. Il y a de quoi, m'a dit, comme on dit en bon québécois, il y a de quoi qu'il bade, là. C'est, ah non, ce n'est pas lui que je connais. Il me semble, il y a de quoi qui est arrivé certain. Bien, c'est des choses qu'on tient à le garder parce que c'est ça qui donne la couleur, c'est ça qui donne la chaleur, c'est ça qui donne la fraternité, puis l'humain qu'on retrouve dans autrui. Nous avons nos propres valeurs, traditions, qui font partie d'une culture que nous avons choisie en pleine connaissance de cause, mes amis. Avec ses forces, ses faiblesses, pour mieux comprendre. Parce que si on tombe jamais, on n'apprendra jamais à se relever. Peut-être encore plus fort. Comme mon père disait, si bien, il dirait, Jean, en tant qu'être humain, en tant qu'Abénaki, on a tombé sous les fers, sur les armes des Anglais, des guerres. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait tuer. On est peut-être tombé à genoux, mais on n'est pas tombé à plat ventre. Puis il faut toujours garder espoir de se relever. Puis, c'est plus dur de jeter quelqu'un, si on prend l'expression, c'est plus dur de jeter quelqu'un à terre qui est à genoux que quelqu'un qui est debout. Mais celui qui va s'élever au lieu de nous, au-dessus de nous, il va descendre probablement plus vite que nous autres. Parce que ce n'est pas dans les valeurs de l'être humain et surtout pas dans les valeurs de votre organisation. C'est l'équité, la fraternité, etc., etc. Que d'ajouts et d'échanges peuvent être faits au cours de notre vie. Ce qui fait de nous des personnes qui sont ouvertes aux échanges, comme je le vois avec vous, mes frères, mes sœurs, et au partage de notre belle culture dans une ambiance positive et pleine de beaux moments pour le bien de tous. Un grand respect et un remerciement à nos aînés. J'en vois présentement à l'écran. Je m'adresse à ceux qui sont pas là aujourd'hui, mais qui vont être là éventuellement. Puis je m'adresse aussi à ceux qui nous ont quittés. Parce que, à travers vous, les aînés parlent. Malgré l'influence, ont gardé leurs valeurs, leurs coutumes, une culture qui diffère des autres et qui apporte votre belle couleur, mes frères et mes sœurs, de cet arc-en-ciel à laquelle nous appartenons. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un arc-en-ciel? Tu sais, des fois, on va rester surpris, puis surtout le monde de mon âge, là, de 60 et plus. Mais ça, auparavant, on ne voyait pas
deux, trois arcs-en-ciel, une en dessous de l'autre, puis surtout, une journée ensoleillée, puis à un moment donné, tu vois un arc-en-ciel. Il y a quoi qui ne marche pas, là? Il ne pleut pas, mais pourtant, il y a un arc-en-ciel qui se pointe. C'est, en tout cas, c'est des signes, comme on dit, c'est peut-être des signes du bon Dieu qui nous dit, ben, ça se peut-tu que ça se peut que vous faites des bonnes choses, puis on vous envoie un petit sourire, un petit tape dans le dos de continuer. Maintenant, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je fasse le chant, puis après ça, on passe à la période de questions? Oui, on apprécierait ça que tu fasses ton chant, Régent, s'il vous plaît. OK. Je ne suis pas dans une chair, puis je ne me sens pas comme un, comme un prêcheur. En tout cas, c'est juste de vous dire une suggestion. Pendant que je vais chanter, puis ça, je fais ça à chaque fois que je fais cet exercice-là, vous m'entendez bien, oui? Parce que je ne veux pas chanter trop fort. Oui. Je veux que vous fermez vos yeux quand je vais chanter, puis pensez à vos parents, vos grands-parents. Les beaux moments que vous avez eus quand vous étiez petit, petite, et les moments que vous désirez avoir pour votre organisation, pour votre famille, pour vos amis, etc., etc. Oui, gonda monda, que zong mena, sa zos kizia, le nom bao, ki o nanzi wi o ti. Oskip tami kwa, Talipaya, Oji Oli Kita Wombata Wongan, Nalit Lagan, Tati Oji, Aga Kingoak Wombata Wongan, Nawi. Gonda monda, que zong mon mena, sa zos kizia, le nom bao, ki o nan ziwi oji. Taho, voilà. Merci, Régent. Ben, j'essaie de recréer l'ambiance parce que mon grand-père, cette génération-là, ben moi, j'avais la chance que mon grand-père, avec ses cinq autres frères, ses quatre autres frères, leur père était maître chant à l'église à Odonac. Donc, l'arrière-grand-père était basse, il y avait des barytons, des ténors avec ses fils. Donc, j'imagine l'ambiance quand tu étais dans l'église avec l'écho, quand grand-papa Napoléon avec ses fils chantait, là, l'église, ça devait brasser, ça devait shaker quelque chose de rare parce que le dernier des membres de ma famille qui chante, qui veut dire qui est chanteur d'opéra professionnel, qui est ténor, c'est Guy Obomsawin. À un moment donné, il a travaillé à. Je ne sais pas si c'était au Canadien ou à Radio-Canada à un moment donné, puis c'était une des belles voix là, vraiment profondes. Là. Guy, quand il chante, là, c'est. En tout cas, moi, ça me rappelle son grand-père, parce que lui, son père, c'était le plus jeune de la famille, c'est drôle, parce qu'il est quasiment de mon âge, puis c'était le cousin propre à mon père qui aurait 100 ans aujourd'hui. Donc, tout ce qui se trouve. Dans ce chant-là, ben, je trouve que ça peint la fresque de qu'est-ce que c'est qu'Élisa Beneki. Qu'après 400 ans, on porte des jeans, des lunettes, on est devant un écran qu'on ne sait pas trop comment l'image va se rendre là-bas parce que ça n'existait pas pour nos arrière-grands-parents. Puis qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre ça. Et surtout d'être
d'avoir une vision, je devrais dire, humaniste. Puis c'est ce que je salue, puis c'est ce que je vous remercie de tout cœur de toujours garder ce sentiment-là quand je vous parle, parce que c'est toujours une belle expérience. Puis je peux dire, je ne dis pas ça pour vous flatter dans le bon sens. C'est juste que je constate que ça n'arrive pas souvent que j'ai la chance de vivre ça avec du monde, puis je vous en remercie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai deux. Oui? Tantôt, tu as parlé de totem, tout ça, puis comme on est en territoire à Sherbrooke, à Benaki, à quoi pourrait ressembler un totem, mais vu qu'on est de plusieurs, comme la communauté, on est de plusieurs nations. Dans le fond, c'est quoi? Y a-t-il qu'un animal totem qui est plus pour tout le monde? On part de un, exemple, la terre-mère, la tortue, tout ça qui porte le monde. Est-ce que c'est un des animaux, un animal, qu'on prend pour commencer, qui est comme l'animal en bas, parce qu'on parlait tantôt qu'il était en bas. Et versus la roue de médecine, est-ce que les roues de médecine se ressemblent tous? Est-ce que les Abénaki en ont une? C'est mes deux questions. OK. La question du totem, comme on dit d'habitude, c'est de mémoire, c'est un symbole, un animal ou un oiseau qui avec lequel on signait pour nous identifier. Pour nous, les Abénaki, c'était l'esturgeon. Donc, mais c'était rattaché à la légende, à une légende. Donc, je vais vous en faire part, c'est que, je ne sais pas si on a déjà parlé, la légende se dit comme suit, on retourne, il y a très, très longtemps, les pêcheurs, des jeunes hommes, plusieurs jeunes hommes étaient sur le bord d'une rivière et se préparaient, comme c'est le temps présentement, à la pêche au printemps. Puis, un des jeunes hommes dit à ses confrères, si j'aurais à choisir un poisson, moi, ce serait l'esturgeon. Pourquoi? Parce que l'esturgeon, il bouge lentement. Puis il fait son bout de chemin bien à sa manière. Et l'esturgeon, c'est une variété de poisson qui est préhistorique. Ouais. Donc, il peut vivre longtemps. Donc, ces chums, ils ont dit, c'est le fun, ça sera le fun. Mais à un moment donné, le jeune homme, il a dit à ses amis, la fois d'après qu'il s'est retrouvé sur le bord de la rivière, il a dit, moi, je vais être un esturgeon. Qu'est-ce que tu dis par là? Il enlève ses vêtements, il marche dans l'eau, puis il a donné sa vie. Il a donné sa vie à la rivière. Sans pleurs, sans rien, ses chums, ils ont dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont resté surpris. Puis à chaque année, à cet endroit-là, il y avait un jeune esturgeon qui venait les saluer à chaque... qui venait faire un... si on prend le terme, qui venait faire un tour à chaque fois qu'il allait à la pêche là au printemps. Ah ouais. Donc, c'est sur les côtes du Maine, aux États-Unis, la Grande Confédération Wabanaki, c'est ça notre histoire. Ils ont dit ceux qui sont originaires de l'esturgeon sont ceux qui sont originaires d'Odanak. OK. Pour te répondre à ta deuxième question... C'est à votre discrétion c'est de comment vous le voyez, ça. Étant donné que, comme tu mentionnais, que vous faites partie de différentes nations, si on se réfère à des écrits ou des notes, la Grande Paix de Montréal de 1701, je ne me rappelle pas combien qu'il y avait de nations autochtones, des Premières Nations qui étaient là, c'est incroyable. Puis chacun a signé avec un symbole quelconque. Donc, si vous avez des Algonquins ou des Ojibwe, vous allez avoir un symbole ou vous faites une recherche tout simplement
Ojibwe symbols, Ojibwe totem, OK? Bien, vous allez avoir cette, possiblement une image qui se retrouve là. Puis, sur le totem en tant que tel, parce que dans le fond, c'est un mât. Oui. Il y a du monde qui vont mettre des images, il y en a qui vont mettre des masques, il y en a qui vont mettre, dans des communautés, ils mettent les ossements de l'ours parce qu'ils veulent continuer en respect pour l'esprit de l'ours. Ça peut se faire en sculpture. C'est à votre discrétion. Mais il n'y a pas un animal qui est dans tous les totems, tu sais, comme tu parles souvent, que l'aigle, c'est lui qui est en avant. Ben, l'aigle, c'est celui qui apporte les prières au Créateur. OK. C'est le lien entre le Créateur et le... C'est ça. Dans le fond, on peut quasiment dire que c'est l'aigle est celui qui est le lien entre le monde des ancêtres et des vivants. OK. Oui, ça pourrait signifier ça. Mais ça peut différer avec d'autres groupes. Puis, la roue de médecine, pour les Abenaki, on ne restait pas assez longtemps au même endroit pour en développer une. Il n'y avait pas de roue. Même aujourd'hui, on n'a pas de roue de médecine en tant que telle. C'est emprunté à d'autres parce que c'est un choix personnel de certains individus. Mon arrière-grand-père, dont je parlais tantôt, Louis-Napoléon, était guérisseur par les plantes, était herboriste. Okay. Donc, lui, c'était dans le pratique. T'sais, il disait, Marianne, tu as tel mot, OK, je vais aller chercher telle plante, puis tu vas te guérir avec ça. Même mon père, il me disait, il y avait peut-être quoi? Mon arrière-grand-père est décédé en 35. Mon père avait 15 ans. Puis, il a assisté à ses funérailles, puis ses dernières volontés, avec le curé de Gonzague, justement. J'avais envoyé la photo. On va en parler tantôt. J'avais complètement oublié le curé de Gonzague. C'est juste pour vous dire que je ne veux pas vider de l'eau sur le feu, en tout cas. Donc, il était en présence du curé de Gonzague pour recevoir les derniers sacrements à son grand-père. Et il a réalisé que quand il allait visiter son grand-père Louis, il allait souvent le visiter dans son arrière-petite boutique, comme la cuisine d'été, dans le grenier de la cuisine d'été des maisons, comme on voyait anciennement. Puis c'est là qu'il y avait tous ses herbages, puis il fabriquait même des cachets, des pelules. T'sais. Puis il avait même mentionné, il dit, tiens, Albert, il dit, j'ai même des remèdes pour le cancer. Mais à cette période-là, ça ne s'appelait pas de même, mais il utilisait le mot cancer. Puis souvent, c'était lié à des traumatismes qu'on a pu vivre dans le sens que... Émotif, effectivement. Un autre exemple, un de mes amis qui est guérisseur, qui est décédé il y a quelques années, il dit, dans la médecine traditionnelle, le diabète, c'est causé par un choc nerveux qu'on a peur. Je ne me rendais pas pourquoi, mais ça serait la source du pourquoi de ça. C'est ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Oui? OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ont des questions? Vous avez des questions? Faites juste lever votre main puis ouvrez votre micro. Personne n'a des questions? C'est tellement beau. Merci. OK, d'abord, on va parler de l'abbé Joseph de Gonzague. Okay. Est-ce que vous voyez l'image à l'écran? Moi, j'avais une question. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est parce que dans le passé, on a déjà connu une autochtone qui avait un remède pour guérir les hémorroïdes. Et puis, il y en a pas dans notre famille qui, après avoir eu ce médicament-là qu'elle préparait, ont été guéris instantanément. Ils n'ont plus jamais eu de trouble. Là, maintenant, il y a d'autres personnes qu'on connaît qui auraient besoin, mais on ne peut pas retrouver cette recette-là nulle part. Est-ce que peut-être vous connaîtriez quelqu'un qui connaît ça? OK.
La personne qui m'a transmis ces informations-là, malheureusement, est décédée aujourd'hui, mais c'est de quoi de très, très simple. Robert Wamsawin ou Ivan Sadekus, quand je lui ai demandé à un moment donné par rapport à ça, elle me dit, mon petit gars, c'est bien simple. Tu vas te chercher des branches de cèdre que tu mets dans une chaudière avec de l'eau bouillante dessus. Tu vides de l'eau bouillante dessus. Puis je vous dis, là, je ne suis pas guérisseur, là, je vous répète ce que la dame me dit. Elle dit, je vous dis ça parce que moi, c'est le même que je guéris les miens. Sans dire ce que c'est. Donc, c'est, en fin de compte, la stime du cèdre qui va où ce que c'est hérité va faire que ça va cicatriser les hémorroïdes. Donc, c'est la stime des branches de cèdre qui guérit ça. Donc, je ne prends pas aucune responsabilité. Moi, je peux juste transmettre. On va peut-être essayer ça sera. Après ça, vous allez me dire, ben, on a tout l'autre bout en fleurs. Non, non, c'est pas. OK, vous mettez le bouillon dans une chaudière, vous laissez infuser le cèdre, les branches de cèdre. Là, vous placez les branches de cèdre dans le fond, puis vous versez de l'eau bouillante dessus. Puis vous attendez un petit peu, puis Yvonne, c'était bien simple. Vous vous asseyez sur la chaudière pour que la stime puisse monter à l'endroit où ce que vous... OK, par la stime qui monte, ça va comme aider. La peur. C'est ça. Dans le fond, à la place de mettre du VIX dans un petit bidule quand tu as mal à la gorge, mais là, tu mets du cèdre pour le mal de gorge ailleurs. Si on prend soit littéralement, on met de l'humour avec ça. Dans le fond, c'est la même affaire, mais le VIX, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du camphre, c'est fait avec de la gomme de sapin, de la gomme d'épinette, il y a probablement du cèdre dedans. Tu sais, dans le fond, on trouve ça bien drôle, là, mais. C'est bien simple. Qui connaît ça du plantain? Ouais. Ça vous dit de quoi? Oui, ben oui. Mais quand on était petit et qu'on se blessait dehors, tu mettais un peu de salive avec une feuille de plantain sur ton bobo, sur le côté qui était glacé, puis c'est même que tu guérissais. Le mercurochrome, on n'était pas tout riche pour se beurrer en rouge. Là. Ça veut dire qu'on prenait du plantain, puis bien souvent, on était trop loin. Puis, on avait peur de dire à notre mère, par notre père, on me suis coupé avec un bout de vitre, me suis coupé avec un. En tout cas. Donc, le plantain, c'est de quoi de bien simple. Puis, il n'y a pas de. Comment je pourrais dire ça? On est encore tout là. On n'a pas. On n'est pas mort. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai encore une question pour toi, Régent. On parle de tradition, de culture. Est-ce que vous avez des types de régalia dans votre nation Abénaquise, un habit, en fait, on ne dit pas un costume, ça, il ne faut vraiment jamais dire ça. OK. Pas, mais avez-vous un habit traditionnel? OK. Je te remercie pour la question, mais c'est bien, bien important, Marianne. Le mot régalia, ça a été emprunté aux Britanniques pour les costumes militaires. OK. C'est un vêtement traditionnel. Un vêtement, c'est sûr que si je retourne quand j'avais 5 ans, 12 ans, ben, tu avais comme un genre de veste, de pièce, comme une chemise qui n'est pas boutonnée, qui est juste ouverte pour le coup, que tu passais par-dessus, qui est en cuir. Puis, tu avais des leggings ou des chaps pour ceux qui font d'équitation, là. Tu as des leggings, puis tu avais une bavette, tout bonnement. Mais la bavette, quand on était plus petit, ben, on avait soit que tu avais ta couche en dessous ou bien tu avais des shorts en dessous. Mais la bavette, dans le sens, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est ce qu'on appelle un pagne. C'est que tu as une pièce à peu près d'un mètre de long. Tu as une ceinture, c'est que tu passes le morceau entre tes jambes, puis tu le ressors par en arrière, par-dessus la ceinture. Donc, c'est quoi qui est plus ou moins confortable? Je vais vous donner un exemple. Excusez, j'ai toujours des exemples. Quand j'ai travaillé dans le film Robe Noire, qui a été filmé à Saint-Félix-d'Otis, au lac Saint-Jean en 71,
On portait des costumes, naturellement, avec de la fourrure, etc., etc. Puis, on portait un peigne. Puis, le maître, la personne qui était en charge des décorations, c'est quelqu'un qui venait de l'Australie. Puis, il dit, « Ah non, non, vous autres, vous portez ça, blablabla. » Puis là, le monde, j'étais avec des cris de poste de baleine, puis des cris de chassébi, puis du nord. Puis, mes amis, il était tard au mois d'octobre. Tu es sur le bord d'un lac, là, puis tu as, comme on dit, tu as le derrière à l'air, là. Là, il dit, vous allez porter un peigne comme c'était dans le temps. Un morceau de cuir passant entre les jambes, graissé avec du chindon, parce que apparemment qu'on faisait ça avec de la graisse d'ours, en tout cas. Ça veut dire que tu as du shortening après un morceau de cuir. Tu places ça entre les jambes, puis c'est le même que les Indiens portaient leur peigne. Au dit de la personne qui faisait le film. Puis ça, c'était... En tout cas, puis là, les gars du Nord, eux autres, ils ont dit, ben, écoutez, si t'as pas un luxe de mettre de la peau de lapin dans ton peigne pour garder tes parties, pour pas avoir des hémorroïdes, on parle de ça, là, ben, pour garder tes parties au chaud, mais tu mettais une peau de lapin, une peau de la lièvre. Puis, ils ont jamais voulu. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on s'est fait geler les parties, on s'est fait rafraîchir sur le bord du lac AA au lac Saint-Jean en 91. Donc, le costume de cuir, c'était quoi qui était commun? À une période, ça s'est changé à utiliser ils appellent ça du batis ou batik. C'est comme une couleur rosse, c'est comme de la toile. Puis, parce que n'oubliez pas, dans les communautés, comme partout ailleurs, là, le monde t'appauvre. Puis, si aujourd'hui vous partez, vous achetez du cuir pour faire des pantalons, une chemise en cuir, des mocassins, bien, ça va peut-être vous coûter une semaine de salaire. Parce que le cuir est dispensable, c'est dispensieux, puis ça dépend de la qualité, puis de l'épaisseur, etc., etc. Puis, le morceau de cuir, il n'arrive pas tout de suite, là, les vêtements, il faut que tu les fabriques. Donc, ils faisaient des costumes ou des vêtements en matériel. Il y a du monde qui se sont, introduits à dire qu'on portait du noir parce que le curé portait du noir, ce qui est complètement faux. Si ça donnait que le magasin général avait une batch de Ross, bien, tout le monde avait le costume en couleur rouille. Tu sais, il y en avait qui choisissaient le vert, puis les rubans de couleur. Si vous voulez fabriquer, mettons, tu prends une blouse que tu aimes, Marianne, parce que c'est le truc à poser la question. Tu dis, OK, ma blouse, est quoi? C'est comme orange. Ce que tu portes présentement, c'est? Rose. OK, rose. Puis tes couleurs préférées, mettons, c'est le bleu marine puis le vert. Mm-hmm. Forêt. Bien, tu vas coudre horizontalement dans le dos, puis un petit peu en avant, puis sur tes manches, tu vas coudre ces deux rubans-là côte à côte. Oh, OK. Parce que c'est les couleurs que tu préfères. Aussi simple que ça. OK. Ou bien, à l'époque, si la famille Lompré fabriquait des paniers qui utilisaient le vert armé puis le rose comme ta blouse, bien, sur ton costume, sur tes vêtements, on retrouvait les mêmes couleurs. Ça veut dire, même si quelqu'un ne te connaissait pas, il voyait du vert avec du rose, ben, il disait, tiens, ça, c'est telle famille qui fabrique tel panier. OK. C'est ce qui m'a été transféré par les aînés. Mais c'était plus pratique que d'autres choses. C'est quand... Puis, il y a une autre chose, c'est que, n'oubliez pas qu'il y avait, à l'époque de mes arrière-grands-parents, qui sont tes arrière-arrière-grands-parents, Marianne, oui. Ben, tu avais le cycle de Buffalo Bill aux États-Unis. Tu avais les films d'Hollywood. Pour eux autres, les Indiens, il fallait que tu aies des plumes sur la tête, puis tu sois habillé comme ci, puis comme ça, puis tu sois noir comme une mule, ou bien que tu aies de la peau rouge. Puis là, ben, malheureusement, si tu n'avais pas les cheveux noirs, si tu n'avais pas le teint foncé, si tu n'avais pas un costume en cuir, puis ben là, tu te disais, je vois le vert, tu te sentais quasiment coupable de ne pas avoir de l'air que c'est que Hollywood. Mais malheureusement, le monde a été obligé de on va dire quasiment de se prostituer en vedette d'Hollywood. Pourquoi?
parce que le monde n'acheta pas parce que tu avais des costumes en matériel. Les touristes disaient, ah, ça ne fait pas assez indien. Ben ouais, le matériel est là pareil. Mais tu n'as pas de l'air de ce qu'on voit dans les livres et dans les films. OK? Donc, ils ont adopté ces costumes-là de l'Ouest ou de la d'Hollywood. Puis là, le monde, il venait acheter de l'artisanat. Là, oh, là, c'est vrai, c'est fait par des vrais Indiens. La famille Lompré, ils sont habillés en cuir et ils ont des plumes. Mais s'il y avait un costume qui était avec de la broderie de perles, ouais, des piquants de porc-épic, oh non, non, c'est pas assez indien à notre goût. Parce que l'influence des Américains, ça a joué beaucoup sur notre culture. C'est comme quand ils parlent de la culture québécoise, ils parlent toujours de la ceinture fléchée, des chemises carottées, puis du sirop d'érable. Il y a d'autres choses que ça. Là, ouais. On ne fait pas de sirop d'érable toute l'année, mais dans l'Europe, on dirait que le monde sont accrochés. Ça n'a pas de sens. Donc, les costumes, dans le fond, c'est aussi, c'est à votre discrétion. Que vous aimez tel vêtement. L'important, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi que vous choisissez. Vous avez choisi ça. Puis pas être gêné de dire, ben écoute, j'ai vu une robe qu'une Indienne portait dans les plaines, ben j'ai décidé de m'en faire une parce que j'aime ça, comme on m'a acheté du linge dans telle boutique aux galeries de Sherbrooke. Okay. T'sais? Mais de ne pas porter un vêtement qu'on ne sait pas l'origine. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, quelqu'un va te poser la question. Ils vont dire, ben, comment ça se fait que tu portes une robe avec des clochettes, Marianne? Est-ce que je peux Huron Wendat? Même pas. C'est Ojibwe. C'est danseuse aux clochettes. Oui, danseuse aux clochettes, originairement, c'est les Ojibwe et Anishinaabe de l'Ontario qui utilisent ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser, mais c'est juste d'être capable de l'expliquer. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est rattaché à ta famille? En tout cas, il y a un plein d'affaires. Donc, l'abbé Joseph de Gonzague, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en aurais une, Régène, une question. Oui. Concernant les objets autochtones, on sait qu'au niveau des différentes nations, le tambour, c'est un objet sacré, particulier. Mais au niveau des Abénakis, ça avait-tu la même importance, le tambour, ou c'était un autre objet? Le tambour était utilisé pour les danses. Le crécelle était souvent utilisé. Ah oui. Pour les danses aussi. Mais le tambour, ça a été, c'est ça qui est utilisé. J'ai appris au fil des années que le tambour peut être utilisé de façon... pareil que moi, j'ai un tambour que je me sers seulement lors de cérémonies. Pourquoi? Parce que dans un rêve, j'ai eu les instructions pour le faire de telle manière puis de peindre tel symbole dessus. Puis j'en ai un autre que quelqu'un m'a donné qui est plus commercial, si on peut dire. Donc, celui-là, je peux m'en servir partout. Donc, c'est sacré tant aussi longtemps, de la manière que tu le vois, cet objet-là. Comme un calumet. Un calumet, c'est un morceau de pierre avec un manche fait en bois. C'est tout ce que c'est. C'est quand tu le branches ensemble, puis de la manière que tu vas prier, ça s'adresse autant pour le ça s'applique autant pour le tambour, que tu vas voir la différence. Ah, okay. Mais il y a une manière de l'utiliser, il y a une manière faut le respecter. Moi, ça me fend le cœur quand je vois du monde qui vont jouer du tambour. Puis, rappelez-vous quand on attendrissait un morceau de steak avec un marteau, avec des pics après? Mais tu as du monde qui joue du tambour comme ils sont en train d'attendrir un morceau de steak minute avant de le faire cuire. T'sais, imaginez que ça représente le ventre d'une femme. Puis là, tu sors ton marteau, puis là, tu commences à battre ça comme un morceau de steak. C'est pas typique, anyway, puis c'est pas trop respectueux. Donc, puis ça représente ton battement de cœur. Ouais. Des fois, tu vas entendre différents beats, tu vas dire, oh, quelqu'un fait de l'arythmie, certain. Parce que le tambour,
Le cœur ne fonctionne pas comme il faut, de la manière que la personne joue du tambour. Donc, oui, c'est sacré. Ben, pour ma part, je l'utilise. C'est sacré, je le respecte. Je respecte l'instrument par rapport à sa signification. Mais je ne peux pas généraliser pour tous les Abénakis. Je ne peux pas parler en leur nom. Merci. Donc, merci, Réjean. Merci beaucoup. Bienvenue. Mais il n'y avait pas des genres de maracas ou des flûtes avec les autochtones? Ben, ce que je parlais tantôt, le crécelle, dans le fond, c'est un genre de maracas, si on prend ça. OK, c'est ça, OK. Oui, aussi. Puis les flûtes... La Patrick en monte un à l'écran. Vraiment. La Patrick en monte un à l'écran. C'est ça, Je ne vois pas. Il faut que tu regardes Patrick, il te présente à l'écran, là. Approche-toi. Le grunzeis. On voit le prêtre. Oui, mais regarde Patrick. Gens, c'est juste que Patrick. C'est un genre de hochet, là. C'est comme un hochet. Passé dans le silence, je vois tout. On voit juste le prêtre, l'image du prêtre. Ah, OK. C'est le prochain, ça, Alice. Tu m'enverras la photo, Patrick, ou tu la publieras tantôt. Puis les crécelles, ben, étant donné qu'on en voit un, ben, les crécelles peuvent être fabriquées avec de la peau brute d'animal, carapace de tortue. Ça peut être fait tout simplement avec une écorce d'orme ou une écorce de bouleau qui est pliée, qui peut faire un contenant quelconque. Il y a différentes façons de... Tout dépend des instructions qu'on a reçu d'un aîné ou lors de cérémonies. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En passant, bonjour, Mme Lompré. Tantôt, j'ai parlé avec votre mari. Bon. J'étais occupée avec quelqu'un au téléphone qui avait besoin. Donc là, je ne pouvais pas le laisser. Quand quelqu'un appelle, il a besoin pour répondre. Hein? Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrick, une question. Oui. As-tu vu le film Robe Noire, Réjean? J'ai joué dans le film Robe Noire. Tu fais quel rôle? Ben, ils ont coupé mon rôle. Là. C'était la scène quand ils partent en canot vers le navire de, je sais pas, de Champlain ou lequel, là. Okay, ben, okay. J'étais responsable des figurants autochtones pendant le tournage pendant 2 mois. Ah oui. Moi, j'aurais payé pour jouer là-dedans. Ah, mais ce que je voulais dire. Ben, comme je disais tantôt par rapport au peigne, la journée commence à 5 heures le matin et finit à 7 heures le soir. Oui. Oh. Puis tu vas tourner. Tu vas tourner 10 minutes. Ou bien tu vas passer 3 heures à te les geler sur le bord d'un lac. Mais c'est une expérience que j'ai bien aimée parce que ça démystifie plein de choses. Puis Peter James, qui était celui qui était directeur de la photographie, les prises de vue, là, c'était incroyable le fjord, dans le fjord. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que Mingwishwish, je ne sais pas trop qui, comment est-ce qu'il s'appelait, le petit sorcier, là. Le petit homme médecine dans le film, il prend sa carapace de tortue, puis il passe ça au rôle. Je vais te regarder là. Il passe ça en face du jésuite ou du récollet. Là. Okay. Puis finalement, c'est pour chasser les mauvais esprits. Okay. Je me demandais si, au niveau ancestral, évidemment, Abénaki, c'était-tu la même affaire ou parce que moi aussi, j'ai eu un téléphone important. Là. Mais tu sais, moi, je m'en sers dans mes tunes, là, mais c'est sûr que je ne suis pas habilité à enlever les mauvais esprits. Mais chez les ancêtres, d'après ton expérience et tes connaissances, ce qui t'a été enseigné, ça servait-tu à enlever les mauvais esprits? Ou c'est juste un film, ça, puis... Ben, pour la question de ce personnage-là dans Robe Noire, c'était... comment je pourrais dire ça? Un mal de dents de l'entendre parler en cri, deux, il n'a pas été là longtemps, non plus. Le crécelle... Il ne faut pas oublier que ça a été pris dans un livre qui a été écrit par un Britannique.
Ah, je ne me rappelais pas que c'est un Britannique. Et okay. Puis, ah, je l'ai lu 20 fois à peu près. OK. L'autre chose aussi, Patrick, puis tout le monde qui vous êtes à l'écoute, c'est important que vous sachiez. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec d'autres personnes, dont plusieurs Cris de Poste la Baleine, de Chisasibi. Ah ouais. Puis c'était une femme Cris de Chisasibi, une petite bearskin qui était le coach pour l'actrice principale, Sandrine, oui. Sandrine Holt. C'est, dans le fond, son nom, c'était Sandrine Hu. C'était une japonaise. Puis, elle a décidé de s'appeler Sandrine Holt parce que... Mais elle, question d'actrice, elle maîtrisait la langue, là, mes amis. Là, c'était incroyable. Ah ouais. Parce que ceux qui... La femme qui était son coach de langue, elle dirigeait, ça n'a pas de sens. On dirait qu'elle a toujours parlé cri toute sa vie. Elle mettait tellement tout ce qu'il y avait avec, puis elle était bonne avec les langues. Ouais. Mais tu vois, c'était même pas une autochtone. Mais ça, c'est-tu la fille, la femme qui reçoit la flèche dans le cou? Non, c'est ça, c'est Tantou Cardinal. Non. Ah oui, c'est ça, Tantou Cardinal, c'est ça, c'est une vraie elle. Oui, c'est une Cris des plaines. Okay. Dans le fond, dans l'histoire, là, c'est parce que 100% à travers tous les chapitres. Non. C'est toujours la même affaire. T'as un petit bonhomme, t'as le bel homme qui arrive d'Europe, qui tombe en amour avec la princesse du village. Oui. C'est comme... Ça peut pas être à l'envers. Puis bien souvent, je pense qu'on est le fruit de justement d'Autochtones qui ont tombé en amour avec des Écossaises, des Irlandaises, d'autres pays. Mais le monde, je n'en parle jamais de ça. C'est toujours l'affaire de la princesse, en tout cas. Mais moi, je suis marié avec une princesse parce que je sais c'est quoi. Mais le crécelle, je... Mais dans le film, comme tu me demandais, Patrick. Oui. Ben, il se référait au roman. Okay. C'est sûr que les hommes médecins du temps qui n'étaient pas d'accord avec les pratiques du temps. On peut-être fait poser ces gestes-là, mais je n'ai jamais été témoin de ça. Puis ce que j'ai vu lors du tournage, c'était quasiment drôle parce que c'était comme. En tout cas, c'est. Puis il y a des choses que c'est important que vous sachiez, c'est que moi, en présence des autres Premières Nations qui jouaient dedans, ce film-là, il y a des scènes là, qui étaient dans le livre qu'on a dit. Pas tout. On ne fera pas ça ou on quitte le plateau. Okay. Entre autres, il y avait des scènes que le petit garçon ou la petite fille s'amusait avec les parties du missionnaire. Oh my God! Là, on a dit, si vous pensez que nos enfants vont s'abaisser à faire ça, parce que dans le fond, le livre, il y a une partie qui est un petit peu érotique, tu sais. Et en tout cas, entre autres, là, c'était comme non, on n'est pas du monde de même, puis on ne veut pas que ça soit perpétué de même. Donc, c'est ça. Black Road, pendant 2 mois, j'ai joué là-dedans. Wow. OK, hey, c'est bon. Mais là, j'ai une autre question. Je peux te poser une autre question ou je suis hors contexte? Oui, vas-y. Je vais arriver. OK, non, mais je me disais que selon mes humbles recherches, ici au Québec, en Nouvelle-France, mettons, là, la flûte de style autochtone comme moi, je joue, là, ça n'existait pas. D'après toi, là, tu parlais de musique d'entrée de jeu à 1h30 au début, là, avant que ça commence vraiment. Bref, toi, as-tu déjà eu connaissance que les ancêtres, là, je parle de 1650, là, début 1700, est-ce qu'il y en avait, d'après toi, ou moi, je n'ai pas trouvé ça à nulle part dans les écrits de Champlain qui jouait de la flûte de style autochtone? Ou de la flûte carrément, là? Toi, as-tu connaissance de ça? J'aimerais ça retourner en 1600, je pourrais te le dire, mais... On sait jamais, peut-être des rêves. Non, c'est pas pour te me moquer, je dis ça. Là. C'est juste que c'est pas de quoi qui a été... de la façon dont tu le présentes, non. Non, c'est ça, hein? L'autre chose, c'est que à un moment donné, puis c'était une expérience de vie, je suis allé voir un aîné ici qui était un fabricant de paniers, puis
qui a été, oui. Je ne sais pas s'il était guide, c'était un gars de bois. C'était un lumberjack qui travaillait sur la drave, puis un massif. Là. Puis il avait une paire de mains, c'était comme, tu sais, il va pendre le collet, checker trois fois, puis te garocher à 40 pieds. Là. Et c'est puis, ça. Gaëtan, à un moment donné, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, j'ai posé la question, j'ai dit, on avait-tu une flûte ici, au Danemark? Ah, OK. Et, ben, il dit, viens avec moi, on va te montrer comment faire un sifflet. Ouais, c'est ça, un sifflet, oui. Il y avait un sifflet ça, qui était ouais. fait avec du tremble. Ah oui, OK. Ouais, puis les autres sortes de sifflets, ben, c'était à utiliser les sifflets d'aigle, de héron, ouais. d'oiseaux, ouais. seulement lors de cérémonies. Ceux qui font la danse du soleil vont se servir, ils ont tout un sifflet d'aigle pour jouer. Oh, ouais. Mais, c'est fait comment, excuse-moi, Réjean? Pardon? C'est fait comment, avec quoi? Avec, tu veux dire le sifflet ordinaire? Oui. C'est fait avec du tremble. Je ne sais pas quel autre. Pas comment on appelle ça. Mon père en faisait quand j'étais jeune, puis il m'emmenait dans le bois, puis il en faisait. C'est ça, je cherchais le nom de l'arbre. Il vidait comme. Là, faisait un creux, il vidait, puis il rentrait le bois dedans, puis il faisait un sifflet. OK, bien là, ça revient à ça. C'est, tu vois, c'est intéressant qu'on parle de ça, puis je vous remercie de confirmer qu'on a appris les mêmes choses. Tu vois, ta mère, Marianne, elle sait comment faire un sifflet. Je crois qu'elle me le remonte, ça fait longtemps. Ça veut dire que, si je vous explique ça rapidement, c'est que vous allez dans le bois en période que la sève monte dans l'arbre, puis tu prends un tremble à peu près de, je sais pas moi, de la grosseur d'un 25 choux, mettons. Okay. Puis tu coupes une extrémité, tu ne l'enlèves pas. C'est-à-dire, tu coupes ou ce que tu veux, puis tu tapes dessus pour faire glisser l'écorce sur l'arbre en tant que tel. Puis là, tu fais une encoche au bout, puis tu remets l'écorce après. Ouais. Puis tu fais, en tout cas, c'est Dieu à expliquer, là, mais en plaçant l'écorce, puis avec un échancreux ou jusqu'à le sifflet, tu attends que ça sèche, puis tu as un sifflet. C'est tout aussi simple que ça. Qui m'avait montré ça. Je m'en souviens, là. OK, ça veut dire qu'éventuellement, Michel, il faut que Marianne nous amène un sifflet. Oui! Je trouve un tremble. J'ai trouvé ça. Et puis, mais pour les enfants, moi, je trouve que c'est une super de belle activité parce que tant qu'ils ne servent pas du couteau pour ne pas se couper, là, ça veut dire qu'André, il faut que vous nous amenez un sifflet la prochaine fois qu'on va se voir sur des jokes. Mais c'est important parce que ça répond à la question de Patrick. L'autre chose, c'était avec un os d'aile de d'aigle. Ça, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut prendre de la gomme de sapin. Ou bien, un de mes amis, c'est bien simple, genre, tu fais ton encoche où ce que l'air sort, où ce que tu siffles. Puis, tu bourres le bout du sifflet avec de la gomme Ouba Bouba. J'ai dit, voyons, de quoi tu parles? La gomme ballon, ta manche avant, puis là, tu mets ça dedans. Au lieu, si t'as pas de gomme de sapin puis de pain, ben, tu prends ce que t'as, tu sais, puis de la gomme ballon, ben, ça sent bon, ça goûte bon. Tandis que, au lieu de prendre des matières, je sais pas moi, tu prends de l'époxy, là, on va pas te mettre ça dans la bouche après. Donc, c'est les seuls sifflets qui... c'est le seul flûte qui existait, là, qui était utilisé par les Abénaki. Il y en a peut-être eu plus tard. Puis, l'autre chose, il ne faut pas oublier l'influence des Écossais. Les Irlandais ont des flûtes. Les cornemuses, c'est fait en bois, les chanters puis les drones. Donc, tu sais, dans 400 ans, là, on a eu du monde qui sont dans nos communautés qui avaient ces instruments-là, mais pas toujours nécessairement fabriqués en métal. Mais de tradition, c'est... non, à Haudenac, on n'avait pas ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je veux terminer avec le curé de Gonzague, parce que là, tout le monde le voit dans le... En gros. OK. À Haudenac, mes amis, la fierté, il n'y a pas de problème avec ça. Tout petit, nos grands-parents grandissaient dans la langue, parlaient français, anglais, lisaient, écrivaient trois langues. Un jour,
l'abbé, le chanoine de Gonzague, et fait ses études au grand séminaire de Nicolet, devient prêtre missionnaire à Odanak. Je peux vous dire que c'était peut-être la pire affaire qui est arrivée. Pourquoi? Parce que tu as un des tiens qui va te donner les coups de bâton, puis qui va te brosser si tu parles la langue à l'école, puis si tu parles de paganisme, puis si tu parles de tradition, puis de cérémonie. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort en 35. Puis c'est un gars d'à peu près 6 pieds, 300 livres. Ça veut dire que tu ne t'estimes pas avec. Là. Quand il parlait d'Église, le monde l'écoutait. Puis, malheureusement, il a fait l'objet de ce que la loi sur les Indiens a fait pour les Abénaki. Ça veut dire que le gouvernement fédéral était content d'avoir un missionnaire Abénaki qui se foutait éperdument de la culture Abénaki, de la langue, des cérémonies, des pratiques traditionnelles. Donc, on vous contait, parce que j'ai une anecdote par rapport à lui, ben deux, excusez. Pour finir cette partie-là, il y avait une vieille dame, qui vivait près de l'église, Bernadette Laurent, qui était une adepte de la religion, mes amis, comme pas possible. Elle était toujours là pour aider l'église, le prêtre, l'église, en tout cas en long, en large. C'est elle, souvent, qui prenait le lit quand c'était le temps du rosaire que je vous parlais tantôt. À un moment donné, on avait une réunion au musée, puis je faisais partie du conseil d'administration. Puis là, on a dit, on va faire une exposition sur le curé de Gonzague. Mes amis, j'ai failli tomber de ma chaise. Une madame de 80 ans qui dit, « C'est quoi ça? Vous allez parler d'un dictateur! » J'ai failli tomber à terre. Une vieille madame qui gueule littéralement, elle ne voulait rien savoir, puis il y a une exposition sur le curé de Gonzague, qui était un dictateur dans la communauté. Ça veut dire que même si elle était croyante, pratiquante, elle voyait que l'homme l'avait remporté, puis que c'était un dictateur, le curé de Gonzague. Une anecdote qui m'a été transmise par mon père. Un de mes grands-oncles, Louis Obamsawin, était à l'école au moment où le curé de Gonzague, parce que l'Académie Saint-Joseph, c'est le musée aujourd'hui. Puis mon grand-oncle, il avait peut-être 6 ans à l'école. Puis il était assis à son bureau, puis j'imaginais la scène. Là, vos grands-parents aussi ils ont mangé des coups de bâton puis des coups de règle sur les doigts. C'était pas juste pour le temps parce qu'il vivait dans une réserve. Le curé Gonzague arrive à côté de mon oncle, puis mon grand-oncle, puis il dit « sac une claque dans le chignon ». Puis là, mon oncle, naturellement, avait la tête qui a cogné sur son bureau, tout, mais c'est pas ça. C'est qu'il y avait des clous dans le cou. Puis on sait comment ça fait mal, des clous, comme on dit, là, comme, je sais pas si les jeunes connaissent ça, comme, moi, je sais qu'est-ce que c'est, puis j'en ai eu. Donc, il a donné une claque. Puis là, naturellement, Louis pleurait, puis il est parti en courant chez eux. Mon arrière-grand-père, Louis-Napoléon, vivait environ à 500 pieds, 600 pieds du couvent. Donc, Louis part, le curé part après, Michel, en soutane, en tout cas, descendre des escaliers parce que la classe était au deuxième. En tout cas, il doit avoir bavé pour descendre. En tout cas, il part après mon oncle Louis. Louis, il court jusque chez eux, puis il s'en va chez Louis-Napoléon, celui qui est herboriste. Mais mon arrière-grand-père, c'était un autre gros et grand gaillard. Il était derrière la maison, en train de fendre du bois. Donc, il voit arriver le curé. « Louis, où est-ce qui est ton gars? » Bla, 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 bla. Puis je veux qu'il revienne à l'école. Puis, wow, attends un petit peu. Calme-toi, là. Là, il plante sa hache dans la bûche. Il retrousse ses manches. Puis il dit au curé, « Enlève ta soutane de prêtre, là. Puis viens essayer de sortir mon gars de la maison. Parce que Louis m'a conté ce que tu as fait, puis plus jamais tu vas toucher à mon fils. En tout cas, ça a fini là. Mon oncle Louis est retourné à l'école, le curé de Gonzague a pris son trou. Puis il n'a plus jamais bordéré, comme on dit, Louis-Napoléon, le garçon des enfants à Louis-Napoléon. Donc, vous voyez que
il croyait dans sa vocation, puis je le respecte par rapport à ça. Mais imaginez les pressions. Tes parents, avec ce monde-là au Danac, on te demande de leur taper ses doigts puis de les brasser parce qu'il ne faut pas qu'ils vivent du paganisme puis des cérémonies. On ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous est arrivé dans votre vie, quand tu as peur puis que tu as toujours une épée d'Amoclède au-dessus de la tête, qu'on dirait que si je ne fais pas ça, je m'en vais en enfer, l'évêque va me... Il va m'excommunier, imaginez l'ambiance. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de colère dans ces mouvements. C'est peut-être la raison pourquoi il était tellement radical, le curé, dans le temps. Il n'était peut-être pas de même, on va lui donner le bénéfice du doute. Mais c'est de voir qu'un Abénaki, c'est celui qui appliquait l'assimilation à la source, à l'Église en plus. Donc, c'était... Puis, à un moment donné, on parle d'une autre anecdote, ils avaient trouvé des ossements sur la rue principale quand ils ont creusé l'aqueduc. Puis les corps étaient dans des contenants en écorce de bouleau, les tombes. Puis les personnes qui étaient dedans avaient les cheveux bien, bien longs. Curé de Gonzague, « Ah, mettez-moi ça dans une boîte pour jeter ça dans le cimetière. » Pour lui, c'était... Il n'y a rien là. Mais tu ne vas pas enterrer du monde qui n'était pas dans le cimetière initialement. Ça peut-être les enterrer ailleurs. En tout cas, ils ont fait enterrer dans le cimetière, dans l'aile, où les enfants qui n'étaient pas baptisés, pour ceux qui connaissent ça de ma génération, tu avais une aile dans le cimetière avec les enfants qui n'étaient pas baptisés, ils étaient comme dans le purgatoire. Ça n'a pas de sens. Tu dis que c'est ça, les enfants ne sont même pas dans le même carreau que tes parents. En tout cas, je termine là-dessus. Il y a une personne encore, Réjean, qui avait une question, c'est Yves. Oui, il est où, oui. Okay. C'est au sujet des flûtes. C'est au sujet des flûtes tantôt. Là. Les Navajos. Les Navajos en Arizona utilisent la flûte. Mm-hmm. Oui. C'est tout ce que j'avais acheté. Si je peux répondre, oui, je la connais, l'histoire des Iroquois en faisait, les Indiens de l'Ouest puis du Sud-Ouest. Mais oui. Merci quand même, là. Mais c'était au Québec que je n'avais pas rien trouvé. Okay. Ça fait 4-5 000 ans que ça existe. En tout cas, j'en parlerai une autre fois. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ce serait peut-être une suggestion, ou peut-être vous y avez déjà été sur le programme, déjà pensé, avoir une section où on pourrait parler peut-être de la médecine, des médicaments naturels pour traiter telle chose. C'est bien simple dans le quotidien, là. OK. Malheureusement, je ne suis pas assez connaissant là-dedans. Je connais deux petits remèdes, là, comme je remarquais dans la mimique de Michel, là. Le plantain, puis du tité, quasiment tout le monde connaît ça, puis les feuilles de cèdre. Mais malheureusement, je n'ai pas les connaissances par rapport à ça. Puis, il faut faire bien attention, parce qu'il y a des plantes qui sont toxiques. Il y a des... Vous pouvez avoir des réactions. Moi, je peux en prendre un gallon, puis vous en buvez une demi-tasse, puis vous ramassez à l'hôpital entre la vie et la mort. Là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour là-dessus, pour des choses qui sont simples. Je pense que, si je ne me trompe pas, ça se peut qu'au musée des Abénaki au Danak, je pense qu'il y a un livre qui a été écrit sur certaines plantes. Qui avait été, je pense, c'est Michel Durand-Nollet qui s'est occupé de ça, qui avait pris les informations de Nicole Bibeau à l'époque. Mais je vous le dis, il faut faire bien attention parce que il y a des plantes, la toxicité, là, c'est tellement fort là, que si vous prenez des médicaments, il y a bien des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, là, pour guérir les gencives, on prenait la racine de la savoyenne, on allait dans le bois, on savait où aller en chercher, comme l'herbe badinde pour la fièvre. Oui, bien oui. Dans le fond, on connaît toutes les mêmes recettes, madame. Oui. Puis on le sait, bien, vous savez, comment on appelle ça, le listerine qu'ils vendaient quand on était petit, il était amer comme de diable, là.
Ben, c'était fait avec de la Savoyane. Ah. C'est pour ça que c'était amer de même. Quand tu bouffais ça, c'était pas du scope là, à saveur des sucrées ou qu'importe. Là. C'était fait avec ça. C'est comme de l'huile de castor. Mm. Tu sais, l'huile de castor, c'est du gras de castor. Si tu en manges du gras de castor, ça va avoir le même effet, même plus. Oui. Les casses de tram, je ne sais pas si vous avez connu ça. Ben, moi, j'ai su que, ben, ici, il y a quelqu'un qui s'était blessé. Il avait fait, ben, pour les entorses, en l'occurrence, pour lui, c'est qu'il était, il était dans mon entrée, la personne, puis il était debout entre deux véhicules. Puis son fils était dans l'auto derrière, puis il y avait un véhicule manuel, puis il a tourné la clé. Puis vu que l'auto est embrayée, ben, il s'est fait prendre dans la serre entre les deux bumpers du char. Tombé à terre, moi j'ai dit, les jambes cassées, ça n'a pas de sens. Puis mon voisin, mon cousin d'en face, il me criait, va chercher de l'écorce de tremble, va chercher de l'écorce de tremble. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis par là? Tu niaises-tu? Non, 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 je te jure, c'est la tête à ma mère, blablabla. Bla, bla. On va chercher de l'écorce de tremble, on met ça après ses jambes, puis le gars, il fallait qu'il parte. Une semaine après, il m'appelle, il n'y a même pas de bleu. Puis ses jambes étaient correctes. Je ne sais pas si ça fait allusion au même exemple que vous voulez. Non, non. Non. Nous autres, c'était une fois par année. Ça, c'était un remède de ma grand-mère. Okay. C'était infusé. Puis ça, ça goûtait méchant. Ça, c'était le dimanche matin, une fois par année. C'était pour les verres. OK. Mais qu'on ait ou qu'on n'aille pas, tout le monde en prenait. Okay. Et puis là, pour la prendre ça avant le déjeuner, wow, que c'était pas bon. Oh, c'est le chat. Mais voyez. On est tous un verre ensemble. Mais, en tout cas, c'était quelque chose. Mais on t'en sentait dans ce temps-là aussi. Ah, mais je sais pas si on avait des verres, parce qu'elle avait tout ça, elle, en tout cas. Dire, comme mon père disait, si tu ne tuais pas dans ce temps-là, ben, tu peux passer à travers n'importe quoi. Ouais, si ça tue comme... pas, ça renforce. C'est ça, c'est pareil comme une vieille dame qui me disait, eux autres, son père, quand c'était le printemps même, il leur donnait de la menace avec du soufre. Ah, ouais. Hey, ça devait nettoyer quelque chose de rare. Il y a toujours la fameuse, quoi, c'est la tisane, les vapeurs de tisane de cèdre, là, aussi. Ça, c'est après. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre invité? Le problème, c'est que les hémorroïdes, c'est pas toujours en dehors, des fois, c'est en dehors. Ben, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. On va tout l'essayer à soir, t'as le droit. C'est-à-dire, il ne faut pas s'asseoir dessus, il faut s'asseoir sans choisir. Les voisins ne sont pas contents quand on va lui couper ses cèdres. S'il y a des trous dans les cèdres, là. Ben, merci beaucoup. J'en ai plein donné. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a répondu à vos questions. Puis de finir sur cette note-là, je trouve ça fantastique parce que de rire puis de s'amuser, là, ouais. Il n'y a rien pour battre ça. Tu sais, ouais. Puis j'ai hâte de vous reparler. Puis j'espère, la pandémie ne durera pas éternellement. D'aller vous voir en personne, puis de rire là, à proximité, comme on dit. Là, c'est à distance pas mal. Mais on te remercie beaucoup, Régent. De ton enseignement. Puis on va se revoir la semaine prochaine. La prochaine conférence, c'est le 5 mai. Mm-hmm. Notre conférencier, c'est encore Régent. Il va nous traiter sur un autre sujet, nous entretenir sur un autre sujet. Puis juste pour votre information, au courant des conférences qu'on a, il y en a une qui va être consacrée justement aux plantes. Puis on essaye justement à rejoindre, qui est à Benaki, Michel Durand-Nollet, qui a fait présentement un jardin à l'Université de Sherbrooke de plantes, je ne dirais pas des plantes ancestrales, mais des plantes qui étaient utilisées dans le temps par la nation des Benaki et d'autres nations autochtones. Ça existe présentement, il y a un jardin à l'université. On va essayer de l'avoir à un moment donné comme conférencier pour nous entretenir justement. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'en ai pris. Souvent, j'ai pris de l'arbadane parce que quand je faisais de la fièvre, c'est la tisane que ma mère me faisait maudit que c'était méchant.
Oui, ça faisait un job. J'ai une question de la part de Martine. Oui. T'as levé la main, c'est-tu correct? T'avais-tu une question? Martine? Ah. T'avais-tu une question? On t'entend pas. Parce qu'elle a levé la petite main jaune, là. Mais juste vous dire, les informations pour la prochaine conférence, vous les voyez à l'écran présentement. Donc, ça va être sur votre fierté, votre reconnaissance comme aîné, tout ça. Donc, ça va être super intéressant. Encore une fois, Réjean, moi, je trouve tellement que c'est intéressant ce que tu partages. Puis moi, j'en apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je commence à faire des liens. Je dis maman parce que c'est, mes parents aussi sont autochtones. Donc, je commence à me souvenir de certaines choses quand j'étais jeune, certains comportements que mon grand-père y avait en forêt. Qui explique bien des choses, parce que mon grand-père, je crois, lui, il était Mi'kmaq. Donc, le sifflet, là, ça me dit quelque chose, vraiment, là, parce qu'il est mort, j'étais jeune, mais je me souviens qu'il fabriquait quelque chose pour faire des bruits. Donc... Okay. Puis, une petite anecdote par rapport au sifflet, peut-être que vous pouvez l'essayer cet automne. C'est, pour d'autres nations, ils ne le font pas, parce que pour eux autres, ils craignent. C'est que quand on voyait les aurores boréales, quand on était jeune, plus jeune, les vieux nous disaient « siffler ». Pourquoi? Pour faire danser les aurores boréales. Ouais. Et puis, quand je suis allé à Poste-la-Baleine, je voulais faire ça, mon beau-frère, il était en maudit après moi, parce qu'il dit « non, non, nous autres, on ne fait pas ça ici, parce que c'est dangereux. » Puis, comment ça, nous autres, chez nous? C'est comme, ben, il disait « ça fait danser les sorcières. » Je ne sais pas s'il était dans les aurores boréales, en tout cas, ben, je vois Michel qui fait signe de la tête. C'est toi aussi, on t'a dit les mêmes affaires? Oui. Ben, tu vois, comment? Puis toi, t'as grandi où, Michel? Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Ah, ben moi, j'ai grandi, ça arrive ça, puis dans la région de la Naudière. OK. Ben, et mon vois? Père est originaire de la région de la Naudière. Puis on a grandi pas mal. Comment je faisais ça? Dans la nature. Moi, OK. Ben, la nature, vois? Ça m'a. Captivé quand j'étais jeune, puis ma mère, très jeune, puis ça m'intéresse à moi quand j'étais bien, bien jeune. Elle m'emmenait, puis elle me montrait des plantes, puis elle disait des noms. Puis moi, quand je retournais à l'école, je pensais que c'était des noms latins en premier. C'était des noms algonquins. Ah, OK. Il y a beaucoup de plantes que j'ai appris, puis des écorces, qu'est-ce qu'on faisait avec ça de mes parents. Mais quand j'étais plus jeune, bien, j'étais plus axé vers le sport. Ça m'intéresse à moi. Mais... quand j'ai grandi dans mon moindrement, puis j'ai passé l'adolescence, je suis revenu rapidement à mes racines. Parce okay. qu'il me manquait de quoi? L'attachement, la connaissance okay. de ma culture. Mm-hmm. Puis quand je voyais comment on était traité par nos concitoyens, puis mm-hmm. comment on était diminué, puis on était traité comme si on n'était pas grand-chose, je trouvais ça réellement pénible, mm-hmm. puis odieux. Puis je me demandais comment qu'on peut faire pour faire comprendre aux gens qu'on est comme tout le monde. Puis la majorité des gens qui avaient un discours qui était peut-être un petit peu un discours qui était fait par leurs parents, la majorité, sans le savoir, c'était... Il y avait du sang autochtone à l'intérieur de ces gens-là. C'est ça. Ça, c'est un problème qu'on a. Puis moi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, que toutes les Premières Nations puis tout le monde ensemble, qu'on soit capable de faire un genre de front commun pour être capable de se respecter mutuellement, arrêter de se manger, une expression bien, bien québécoise, la laine sur le dos. Ouais. Les gens, au lieu de se solidifier, se solidariser, d'échanger, partager leurs connaissances, partager leur vécu, on dirait qu'on fait des catégories à l'intérieur de nous-mêmes, ouais, les Autochtones. Ouais. Puis ça, je trouve ça très dommage parce que ça empêche les Autochtones d'avancer puis d'évoluer dans le bon sens du terme. C'est ça, puis ça fait. On est en train de tout perdre notre culture puis nos traditions partout, là. Oui, partout. Ouais. C'est pour ça. C'est épouvantable, ça. C'est... Notre fierté, il faut la conserver, il faut la garder, il faut la transmettre à nos enfants. Pour que ça se transmette de génération en génération, on a un vécu phénoménal. On a des milliers d'années en arrière de nous. On ne peut pas laisser tomber ça. Non. Il faut continuer à en faire la promotion, pas à
être des vendeurs, faire de la vente sous pression, leur faire comprendre, dans le fond, leur faire partager notre richesse qu'on est en train, sans le vouloir, de perdre. C'est ça. Bien, souvent, Michel, bon, je peux ajouter de quoi à ce que tu dis, c'est tantôt on parlait de la peur, OK? Quand on rencontre des personnes qui sont fières, qui connaissent leur histoire, ça fait peur pour quelqu'un qui ne s'est jamais baudré de conserver ses traditions puis ses valeurs. Puis je m'aperçois que j'ai été assez longtemps, mon père était dans la politique, mon grand-père, j'ai été 8 ans, de voir que ceux qui craignent, c'est ceux qui ne connaissent pas leur histoire. Mais quand tu arrives avec un exemple, bien là, ton père, il allait tuer à telle place, mon grand-père, ben oui, mais comment ça se fait que tu parles contre moi quand nos grands-parents étaient chum sur la ligne de trappe en haut de sa mort? Ah, ben là, c'est pas pareil. Tu sais, ils ne connaissent plus leur histoire, puis ils ne veulent pas regarder en arrière. Puis, pourtant, quand tu es sûr de ton background, bien, tu t'en vas en avant. Là, tu sais où tu t'en vas, au moins. Mais si tu as honte de ton passé, puis tu vas blâmer le voisin parce que tu dis que le voisin t'a volé tes affaires. Le voisin ne t'a pas volé tes affaires. Ton voisin a mis tes connaissances dans un tiroir pour toi parce que tu es trop lâche pour avoir conservé ce qui t'appartenait. Pour troquer ça pour un char, pour un job, pour qu'importe, de la boisson, de la drogue, c'est plate, là. Mais le monde sont même. C'est pour ça qu'ils prennent des positions même, puis ils continuent d'être nourris. La loi sur les Indiens, là, c'est pas seulement là, hein, c'est tellement déteint dans tout que le monde s'en rend plus compte, puis c'est plate. Puis le Haut-Canada, ça c'est mon petit côté politique, là. Le Haut-Canada va toujours être là pour écraser ceux qui sont de langue française, parce que ça les fatigue en joie le vert, parce que la langue, on la continue malgré tout, puis tout ce qui est rattaché à ça, tu sais. Puis, si, un exemple, si encore, bon, on va prendre le terme des affaires indiennes, si encore des Indiens au Canada, mais c'est la gang du Québec qui aura sauvé la tête. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus de passé au cash si notre gang n'aurait pas monté dans l'Ouest. Mmh. Ah, ben oui. Mais de leur dire ça, ils vont dire non, 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 ça ne se peut pas. Ben, écoute, tu manges de la bannock et de la bannock, puis toi, tu dis que tu n'as jamais eu d'influence d'Europe, ben, tu ne connais pas ton histoire, tu vois. Comme je disais tantôt, la peur va créer ça dans les groupes. Mais nous autres, on n'a pas peur. Il faut prendre une chance. Hein? Nous autres, il faut aller vers l'avant, puis il faut continuer, puis il faut être fier de ce qu'on est. C'est ça. Vraiment. Puis on est tous fiers, puis c'est ça qui est le fun. Je trouve que plus que ça va, plus qu'il y a quand même une prise de conscience des gens. Ouais. Vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Comme tu disais tantôt, quand tu as appris les remèdes, ça ne peut pas être plus retourné à dans tes racines que ça. Non. De parler de ça. Parce que ça va être de quoi que ça va être intéressant à parler. OK, bien merci beaucoup tout le monde. Bien, ça nous a fait plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine, le 5 mai, d'accord, à 13h30. OK. Avec une autre conférence de Régent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, Régent. Bye-bye. Merci. Merci bye-bye. Bye-bye, bye-bye tout le monde. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye-bye.